Salut, salut! Bon, hop, salut à tous. Bon, j'invite tout de suite Boris et Alain. Ça va être sympa. On va démarrer tout de suite ce petit live. Hop, j'invite. Faut que je leur remette le micro. Hop, donc là, Bonjour logiquement. à tous. Salut Boris. Salut Hop, Tim. j'envoie. Hop, je remets les trucs. Et ben Bonsoir à voilà. tous. Bonne Salut soirée. Alain. Salut Bonsoir à tout Boris, le salut monde. Thibault. Ouais, salut, salut, bah, merci d'être venu à tous les deux, hein. Surtout que bah, après le boulot, c'est vrai que vous revenez encore passer un peu de temps sur les lives pour venir aider, puis discuter Recifal, donc c'est super gentil à vous deux. Bah, avec plaisir, écoute. Hein. Hein. Et vous avez plaisir, ouais. Ouais, bah, c'est sympa, c'est vrai qu'après le boulot, bon, je sais que c'est toujours la course, en plus, bah, de vous avoir tous les deux en live, ça va être super sympa pour répondre à un maximum de questions. Pour moi, bon, je suis très content de vous avoir parce que c'est un peu une chance et c'est un peu l'avantage d'avoir un groupe Facebook. Ça motive à faire des choses sur Facebook, de pouvoir avoir avec, bah, comme toi, Alain, qui était précurseur dans la reproduction des poissons d'élevage. De l'autre côté, on a Boris, lui, c'est l'aquaculture aussi avec les coraux et puis tout ce qu'il a fait avec sa boutique qui est énorme aussi. Donc. Bah merci, écoute. Merci, bah écoute, moi c'est pareil, ça me fait super plaisir d'être là, d'échanger avec Alain et avec toi. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. L'aquaculture, c'est ça, c'est le partage de connaissances pour essayer d'avancer. Et je pense que dans les années qui viennent, il y aura de plus en plus d'aquaculture. Donc pour moi, c'est parfait. Le sujet me va très bien. Oh, bah c'est cool quoi. Et puis bon, c'est vrai que bah Alain, toi, tu t'étais lancé dans les enfin le poisson d'élevage, mais il y a longtemps, tu avais créé l'OTAN, c'est ça? L'OTAN, c'est Ouais. 2004, je crois. Ouais. 2000, oui, 2000, un peu plus, 2006, Ouais. je crois. Bon, Ouais, ça fait moi, longtemps. j'achetais des poissons à l'OTAN en 2010. Donc, ça, c'est sûr qu'en 2010, on se connaissait déjà. Et puis, j'étais au Cap en 2008, t'étais déjà là. Je pense, oui, que c'était ouais, 2006, 2005 ou. Bon, Ouais. ça a été plus d'un an pour monter les dossiers et avoir les autorisations et commencer à produire, hein, quand même. Hein. Donc, Ouais, mais c'est ça, on voilà. avait fait un live ensemble où tu avais parlé justement de ce que tu avais fait. Et en fait, écoute, c'est que tu as lancé ça un peu trop tôt, quoi. C'était trop tôt pour l'époque, non? Alors, trop tôt, oui, oui et non. En fait, ce qui nous a fait couler, c'est la concurrence, énormément la concurrence avec les Israéliens, qui eux sont arrivés avec des poissons qui étaient 2 fois moins chers que les nôtres. Parce que au bout de 3 ans, on commençait à être rentable. Donc on gagnait de l'argent, on gagnait notre vie. On n'avait pas des prix excessifs, hein. Et donc c'était Correct, ça se passait bien, que c'était correct, voilà. Et après, bon, les Israéliens sont arrivés avec des poissons qui étaient 2 fois moins chers que les nôtres. Et là, bon, bah là, t'exploses, tu peux pas, quoi. Plus tu produis, plus tu perds d'argent. d'accord, C'est ça le souci, hein. ouais. Après, les 3/4 des espèces, déjà, c'est financièrement, c'est limite. Donc, quand tu as un gros concurrent comme ça qui arrive, tu peux pas tenir, quoi. Il y a quelques espèces sur lesquelles tu vas gagner de l'argent et tout le restant, bah, t'en perds, quoi. Et pour avoir connu cette époque en 2010 où nous on essayait de mettre au maximum l'élevage en avant, donc avec l'OTAN de production, donc on avait les Saccharopus splendidus qui ont toujours très bien marché parce qu'il y avait un réel avantage à avoir de l'élevage où c'est que clairement ils mangeaient des granulés. Sur le poisson clown, on voyait encore énormément d'import sauvage rentrer et il y avait déjà cette notion de prix, etc. Le sauvage par rapport à l'élevage, c'était déjà une grosse discussion à l'époque. Ça continue, hein. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça entraîne plein de coûts un élevage, hein, forcément. Il y a le prix des proies, le prix de tout ça. Le truc qui se passe, c'est que en plus d'avoir la concurrence du sauvage, ils avaient la concurrence d'un autre éleveur qui était vraiment costaud aussi, quoi. Donc forcément, c'était difficile pour l'OTAN à l'époque. Maintenant, je pense que ça se passerait mieux actuellement, du fait que les gens, pour les poissons clowns, en tout cas, il y a quasiment plus de sauvage. Donc, il y a quand même plus de ventes de poissons clowns d'élevage. Donc là, on a plusieurs éleveurs en Europe, et dont Maersk et surtout au cœur du poisson, qui font beaucoup de clowns en France. Et on voit que bah, ça, y a quand même une demande de clowns d'élevage. Après, c'est sûr qu'il faut quand même le réseau de distribution qui va avec, quoi. Ouais, ça, c'est les deux producteurs en France, quoi. Merci et au cœur du poisson. Maersk et au cœur du Oui. poisson, oui, c'est les deux producteurs en Ouais, France. Ouais. c'est ça, ouais.
Mais du coup, c'est vrai que quand tu vois, tu sais, maintenant, moi je trouvais qu'avant, on n'entendait pas trop parler de l'élevage. Oui, mais Maintenant, tu vois, avec Récif Atome et puis bon, tout ce que vous faites, Alain et tout ça. Maintenant, on en entend beaucoup parler, mais je trouvais qu'avant, on n'entendait pas parler du tout, quoi. Et c'est c'est vrai parce que. que ça prend du débat dans la place publique pour la simple et bonne raison que le sauvage, déjà, on n'en trouve plus aussi facilement qu'avant. Les pêcheurs sont obligés de faire 200 km où avant ils faisaient 10 km. Donc déjà, les ressources s'appauvrissent aux endroits où il y a les grossistes et les exportateurs dans certains pays. Et ensuite, il y a quand même le fait qu'il y a plus en plus d'espèces. Et là, au dernier congrès et tout, les représentants de l'Indonésie et tout, je vous dis, bon, le quota de sauvage, même sur les poissons, ils arrivent. C'est-à-dire que d'ici 1 ou 2 ans, ils vont dire, il y a tant de quotas. L'Europe est rarement prioritaire. Généralement, les Américains, la Chine, l'Australie, etc., sont prioritaires parce qu'ils sont capables de payer plus cher. Et du coup, automatiquement, l'élevage est une solution d'avenir. Je parle financièrement, mais après, il y a éthiquement aussi. Le fait, que toute la nouvelle génération, les jeunes de maintenant, ils veulent pas entendre parler de sauvage. Il faut en être honnête. Et nous, on est convaincus de ça depuis 20 ans, donc c'est facile pour nous de dire ça. Mais le sauvage, n'a plus sa place, dans l'avenir. Ouais. De toute façon, Par ça va être contre, restreint, hein. Soit ouais, par alors, les pays exportateurs, soit par l'Europe. Mais il faut pas s'attendre à ce que des animaux prélevés en milieu naturel puissent continuer à arriver comme ça, comme au jour d'aujourd'hui, exactement. dans l'avenir, hein. C'est plus possible, ça. Bah, c'est vrai que c'était fou quand tu voyais, il y a même encore 5, 6 ans, 7 ans, même le prix du sauvage, c'était même pas cher, quoi. Quand tu voyais le prix, alors Alors, regarde le qu'aujourd'hui, fleuve. Regarde le Zebrasoma flavescens. ouais, bah, c'est ça. 44 euros, tout le monde, on l'a connu. Si on a fait de l'aquariophilie depuis une dizaine d'années, on était à 44 euros, 49 euros. Il y a eu les premiers quotas qui sont arrivés, tout le monde a eu un peu peur. Ils ont fait 59 euros, 69 euros. Il y a eu l'interdiction totale parce que aussi Biota avait réussi à les reproduire à l'époque. Et on est à 249. On est vraiment sur des trucs. Ça a redescendu parce qu'avant c'était monté beaucoup plus haut, quoi, même le sauvage. Le sauvage, c'était beaucoup plus haut. C'est quand ça a été complètement interdit, les grossistes qui avaient encore des sauvages avaient anticipé le coup et ils en avaient stocké 500 à 1000 pour justement faire un dumping, enfin une augmentation des prix artificielle, mais en réalité, c'était des fonds de stock. D'accord, ok. Donc c'était pas vraiment, c'était pas, enfin, c'était juste parce qu'il n'y en avait plus, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait de la demande. Mais du coup, maintenant, comme tu dis, l'élevage, au niveau du prix, par contre, ça a quand même descendu au niveau. Pourtant, C'est c'est ça. quand même boulot. C'est vrai que vous passez beaucoup de temps. Ce qu'il faut savoir, les éleveurs, c'est un truc de dingue. Le Ça poisson. demande à Alain combien de temps il y passait. Déjà. Ouais. C'est Bah, du clair, Alain. matin au soir, Ouais. jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Ouais. Voilà. Voilà. C'est ça. Par contre, maintenant, ça a beaucoup plus évolué. C'est vrai qu'on voit que maintenant, on reproduit de plus en plus de poissons. Ouais, puis attends, le fait que le prix diminue, bien sûr que les aquaculteurs, surtout dans le haut de mer récifal, ils passent des dizaines et des centaines d'heures, mais en plus, pour obtenir ces nouveaux poissons, ils ont besoin de dépenser des sommes folles dans des copépodes qui sont très difficiles à obtenir. Acacia tonza, donc nous, on vend en petites pipettes, sur le site, donc on vend par 100 000 œufs. Donc c'est un peu comme des nopilles d'Artemia, comme des cystes qu'on met à éclore, mais à la naissance, au lieu qu'ils fassent 400 micromètres, ils vont faire 70-80 micromètres, permettant justement de déclencher le nourrissage sur des centropiges, par exemple. Mais Alain, tu vas me dire sur les calculs, combien tu as besoin d'œufs sur un bac de 100 litres? Bah, 100 litres, c'est 1 million. 100 litres, c'est 1 million, donc c'est 10 pipettes, donc c'est 62 Voilà. euros. Et c'est 1 million par tous les combien de temps? Ah, c'est 1 million tous les jours. Voilà. Pendant combien de jours? Alors, un simple larvaire de. Bon, on va dire de. Un simple, tiens, si on fait des amphiprions à l'acacia, c'est 6 jours de larvaire. C'est 6 Ouais, mais jours bon. de. Comment ça s'appelle? Ouais, La phase où avant la le. métamorphose. Avant la Mais métamorphose. si tu fais une espèce un peu plus Ah, si tu fais du tendance, centropige et des trucs voilà. comme ça, bon, bah là, t'es à 15 jours, 3 semaines, quoi. Donc, ça veut dire que pendant 20 jours, tu mets 62 euros par jour. Donc, déjà, tu es déjà à 1200 euros juste de copépodes. C'est quand même des sommes. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, bon, nous, on les vend sur le site. Donc, tout le monde peut essayer. Si vous avez un couple qui se reproduit, vous pouvez essayer de le faire. Ça, c'est quand même une avancée, je pense, de permettre à tout le monde d'essayer de reproduire des centropiges et des choses, parce que il y a beaucoup d'aquariophiles qui sont très assidus et qui arrivent à obtenir d'excellents résultats. Donc ça, je pense que ce sera vraiment intéressant pour la suite. Maintenant, c'est vrai qu'on voit les coûts et on voit ce que ça engendre comme coûts, quoi. Et c'est pas négligeable. Il y a la main-d'œuvre, bien sûr, mais il y a aussi le coût des proies.
C'est pour ça que tu vends aussi des proies. J'ai vu que tu vendais les proies vivantes là. Ouais. C'est pour les gens qui veulent essayer de se tenter ou qui ont réussi à C'est reproduire. ça. Oui, par exemple, on fait rotifère. Donc, rotifère, tu peux démarrer directement du poisson clown et ensuite, donc tu peux commander du rotifère. Mais après, c'est plus des starters de culture qu'on va vendre. Mais parce que bon, quand t'as 10 000 rotifères, en fait, c'est rien du tout, hein. Il faut des. Là, nous, tu vois, on regardait les rotifères, par exemple, sur un bac de 100 litres. Tu dois en mettre 700 000. Enfin, on est sur des quantités plus élevées. Et ça dépend quelle espèce tu fais. Mais c'est très intéressant parce que ça permet au moins aux gens de pouvoir se procurer facilement ce qu'il faut. Et après, avec la passion, bah, je pense que l'aquariophilie récifale d'élevage larvaire va se développer. Et automatiquement, il y a les professionnels qui sont toujours là, qui ont une longueur d'avance parce qu'ils font ça depuis 10 ans, 20 ans, etc. Et il y a beaucoup de passionnés qui vont y venir. Et je pense que les passionnés qui vont y venir vont dire, ouais, voilà, ils vont avoir la notion et ils vont le communiquer dessus en disant, mais c'est un vrai travail, quoi. Ça demande des dizaines d'heures, ça demande de l'investissement personnel, de l'investissement financier. Et c'est bien que ce soit visible. De toute façon, le nourrissage, c'est ça le plus compliqué après, quoi, une fois que tu C'est as le réussi à nerf de la l'appeler. guerre. Ouais. C'est les proies vivantes, le nourrissage de départ, oui. Si Et on se c'est des plante grosses quantités en là-dessus, plus. en quantité, ben surtout au début, tu nourris pas en fonction de ton nombre de poissons, mais en fonction du volume dans lequel ils sont. D'accord. Ah, Ah, ok. je vous êtes arrêté là, je ne sais pas si tout le monde si Ah, c'est alors, je compris. peux bouger, c'est bon. Ouais, c'est bon, toi. Le roi statue, là. Voilà. Ouais, ça dépend du volume d'élevage, du bac d'élevage. Parce qu'on les Ah, met. d'accord, moi je pensais que c'était par rapport aux poissons, quoi. Non, au début, ta larve, en fait, il faut qu'elle ait entre 5 et 10 proies vivantes par millilitre. D'accord. Donc ça fait Donc ça 500 000 à fait. peut-être 100 000 dans 100 litres. Ça, on le voit, c'est même pour les amphiprions, là. Il y en a beaucoup qui ont réussi à reproduire, tu sais, dans le bac, il n'y a pas de problème. Déjà, il faut récupérer Et les bien. alevins et après les nourrir, quoi. Ah oui. Ouais. Mais il y en Rien a que qui ça, arrivent. déjà, c'est Alors. compliqué pour nous, quoi. Enfin, il faut de la Non, quantité, mais il quoi. y en a qui arrivent. Ouais. L'amphiprion, c'est pas forcément une espèce super compliquée. Ouais. Bon, il faut pas hésiter à se lancer, il faut pas hésiter à faire des essais, hein, il faut pas Ouais. hésiter à se vautrer non plus. Hein, ça, Ouais. il faut apprendre de ses échecs. Et alors, t'en sors pas 400, Ouais, mais tu c'est vas en sûr, sortir mais une c'est pour le vingtaine, plaisir, une quoi. trentaine, une cinquantaine. Ouais. C'est très bien. Ouais. Mais c'est vrai que difficile de les nourrir derrière, enfin, il faut de la quantité, quoi. Et C'est ça. après, Ouais. derrière, ouais. Et Mais après, t'as d'autres Et... choses qui entrent en compte parce que là, on parle des clowns, mais par exemple, nous, on bosse beaucoup sur l'ismata et sur des espèces de décapodes. Le Ouais. but pour nous, c'est de faire l'ismata monensis, des bélius, mitrax, tout ça cette année. Et en fait, sur les décapodes, t'as d'autres paramètres qui rentrent en compte. Tu ne peux pas mettre trop de proies, c'est-à-dire que tu as un nombre de proies par litre, mais t'as un nombre aussi de larves par litre à respecter. Et tu peux pas à l'heure actuelle dire, bah, je vais mettre tant de larves. Tu peux pas te dire, je vais mettre 1 000 larves dans mon 100 litres. C'est pas possible. Ouais. Parce que en fait, tu dois être. Enfin bon, là pour le coup, si, parce que ça correspond exactement à ce qu'il faut faire. Il y en faut 1 000 dans 100 litres, mais c'est 10 proies par litre. Mais si tu montes à 20 proies par Ouais. litre, c'est pas 10 proies, c'est 10 larves par litre. Donc tu vas mettre 10 larves de l'ismata par litre. Et Ouais. si jamais t'en mets 20, ça fonctionne pas. Et si t'en mets 5, ça fonctionne pas. Ça D'accord. fonctionne moins bien, avec des Moins rendements bien, bien ouais, moins hauts. Donc en fait, tu vas être en permanence en train d'ajuster le nombre de larves, le volume du bac, mais enfin voilà, il y a quand même du boulot. Et pour les décapodes, il y a la qualité d'eau qui rentre en jeu, qui est quand même relativement importante. ouais. Très Ouais, faut importante. pas, faut pas se leurrer, faut pas se dire, là, je reviens sur les crevettes, ou même Ouais. les poissons. En fait, des fois, c'est beaucoup plus facile de faire un larvaire, au moins sur le début, avec beaucoup de larves, plutôt qu'un Ouais. larvaire avec peu de larves. Parce Oui. qu'il faut bien comprendre que il faut qu'elles consomment tout ce que tu leur donnes en proie vivante, il faut que ça soit consommé dans la journée. J'ai l'impression que ça Et pollue, c'est donc, ça? pardon? Ça pollue, non? Sinon, c'est beau. Alors, c'est pas que ça pollue, c'est que en fait, elles perdent leur valeur nutritive, Ah, ok. les proies. C'est ça. Et donc, en fait, tous les jours, tu rajoutes des nouvelles proies, neuves, fraîches et riches, Ouais, donc riche, de ouais. manière à pouvoir nourrir tes larves. Ouais. L'erreur à pas faire, c'est par exemple sur les crevettes tu fais assez rapidement sur Artemia, c'est de charger trop en Artemia. Et là, tu te retrouves le lendemain matin, tu as des Artemia partout, Et là, il faut les retirer avant de commencer un nouveau nourrissage. D'accord, ouais, voilà le boulot, ouais. Ouais, le bon nourrissage, c'est quand tu arrives le matin, bon, si on prend les Artémias,
Tu arrives le matin, tu regardes ton bassin d'élevage larvaire. Il reste quelques Artemia. Tes poissons ont encore le ventre plein, mais il reste que quelques Artemia. Toi, c'est que ça a été tout consommé dans la journée et dans la nuit. Ouais. Et là, tu peux recommencer sur des Artemia neufs. Ouais, ouais, c'est ça, pour ne faire pas la valeur nutritive, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Bah, un Artemia, tu l'enrichis, alors que ce soit au selco, au phytoplancton, à ce que tu veux, donc tu fais vivre dedans. Et clairement, c'est 6, 8 heures, 12 heures max sur. Enfin, ça descend directement. C'est au bout de 4 heures que ça descend, je crois. Et ça descend. Ouais. Ça vaut plus rien en énergie après. Ouais. Mais c'est même un problème. C'est pour ça qu'on dit que les Artemia congelés, comme on voit un peu partout, tu vois, regarde. Alors là, ça tombe bien, je suis à côté. J'ouvre le congélateur. Ça, c'est produit. Tu vois, tu vas avoir des Artemia ici, ceux-là. Les classiques Artemia Brine Shrimp. Ouais, c'est ce que j'utilise, ça. Là, tu es sur de l'Artemia non enrichi. Et ensuite, tu vas avoir les Super Shrimp enrichis à l'HUFA. Ok, oméga 3, du coup, vitamine, acide aminé. Et du coup, tu vas avoir plusieurs styles d'Artemia chez. Tu en as d'autres qui sont enrichis à l'ail. Tu vas vraiment avoir une gamme complète d'Artemia. Mais l'Artemia, à la base, c'est censé être une éponge. Il est là pour prendre le milieu dans lequel il vit, entre guillemets. Ouais. Et en fait, le taux de protéines, le taux de vitamines, etc., dépend du milieu dans lequel il vit. Et après, ça descend rapidement. Les Artemia qu'on a vus en premier, ceux que tu utilises, l'idéal, c'est d'utiliser que de temps en temps et de mettre des choses plus riches. Surtout si tu veux faire des géniteurs ou si tu veux que tes poissons se reproduisent. Après, attention à la pollution, comme d'habitude. Mais du coup, pour l'aquaculture, c'est le même système. Tu pourrais donner des lopis d'Artemia qui n'ont pas une grande valeur énergétique, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Le but, c'est vraiment de donner des lopis d'Artemia qui soient hauts en énergie. D'accord. Et même la marque compte. Hein. Ouais. C'est sûr, là c'est de l'océan de nutrition, quoi. Du coup, déjà les éleveurs, ils utilisent beaucoup aussi. Après, c'est quand les poissons, juste un peu avant la vente, ils les habituent. Pas tous. Si tu prends des éleveurs comme ceux qui sont à Bali, nous on a beaucoup de mal à les faire manger au départ, à l'arrivée. C'est parce que c'est des mésocosmes géants, c'est pas tout à fait les mêmes systèmes. Hein. Nous, il y a des poissons d'élevage qu'on a du mal à faire manger, quoi. Maintenant, les éleveurs français, c'est top. Ouais, ils font un super boulot. Ouais. Et du coup, tu conseilles quoi, du coup, pour les gens qui vont acheter des poissons d'élevage, pour les nourrir au départ Oh bah non, mais si c'est de l'élevage français ou de chez nous, ils mangeront. Parce que nous, on les garde 3 semaines. Quand on rentre du Bali Aquariche avec des anges et tout, on les garde 3 semaines avant de les mettre en stock. Tant qu'ils ne mangent pas, on ne les vend pas. D'accord. Après, nous, on les acclimate avec du rotifère, avec de la noplie d'Artemia, selon la taille qu'ils font, et de la nourriture vivante, quoi. Et on les acclimate avec ça, et petit à petit, on les passe sur le congelé ou sur les paillettes. J'avais vu au début, je mettais un peu de tout, et je voyais même laisser les Artemia, il avait du mal, surtout c'est sur l'océan de nutrition, ils sont quand même assez gros. Vous voyez qu'il cherchait les petits Artemia pour aller dessus. Parce qu'en gros, il était petit, parce que pareil, ça aussi, je me posais la question. Tu sais, j'ai pas mal de gens qui me disent, tu sais, quand ils achètent le poisson d'élevage, du coup, il est petit. Même quand ils l'achètent en magasin, tu sais, c'est pas un poisson sauvage, quoi. Ah bah oui. Mais il a déjà 8 mois. Pourtant, il a déjà, comme tu dis, 6 mois, 8 mois. 8 mois, un an. Pris de la taille, ça tombe. Et ça, du coup, tu n'as jamais... Enfin, moi, c'est un truc qui m'avait fait peur. Et puis, ça s'est bien passé. Mais il n'y a pas un risque, après, quand tu mets le poisson, tu sais, qu'il soit plus petit, puis que du coup, qu'il vienne pas bouger ou pas. Après, tu as toujours un risque avec l'introduction d'un nouveau poisson au sein d'un groupe. Ouais. Ça, tu ne peux pas l'enlever. Ouais. Mais ça, élevage, pas élevage, etc., c'est pareil. C'est pareil, ça joue pas. Moi, j'ai pas eu de soucis parce que j'avais mis le petit pigot qui était tout petit, tu sais, qui faisait quoi, 3 cm. Hein. Ah bah les pigots, ils font 3-4, la taille de ce qu'on reçoit. Mais bon, du coup, il a mangé tout de suite, même dans le bac. Après, quand je l'ai mis dans le bac, il a mangé. C'est vrai que c'est fou, parce que bon, c'est un pigot, c'est quand même connu pour pas être dur à nourrir, même les sauvages. Il y en a plein, justement, qui, comme un peu même les Saint-Chiropus, qui achètent, et puis ils disent, pour faire une économie, ils vont les acheter en sauvage, sauf qu'ils se nourrissent pas, ils meurent de faim. Les pigots et le splendidus, c'est vraiment les poissons où c'est que clairement l'élevage gagne à tous les points, quoi, vraiment. C'est ça. La durée de vie, la facilité de nourrissage. Enfin là, y a pas. Bon, par contre, c'est vrai que le splendidus, le mandarin, il coûte 5 fois le prix de l'élevage, le prix du sauvage. Ouais. Ou 3 fois, ouais, 4 fois. Enfin, j'ai vu, je crois que ça doit être 39 et 129, où il y a un écart qui est quand même très important. Mais le travail à faire sur des splendidus pour sortir des splendidus d'élevage est quand même énorme. Enfin,
Ça... Surtout après, c'est le temps de croissance, quoi. Hein. Ah bah oui, 3 cm, un petit machin qui est long comme ça, là, ouais. C'est 8 mois. Ouais, c'est 8 ça, mais on va voir, c'est mignon. Oui, oui, c'est super mignon. Hein. T'imagines, 8 mois de... Ah ouais, ouais. Ça fait. Hein. Et en plus, sur ça, bon, bientôt, il va y avoir des. On, si on a la chance, au cœur du poisson, on travaille sur différentes morphes. Parce que ça, les Splendidus, ils existent en rouge, en vert, etc., en bleu. Qui ont des tendances. C'est plutôt Vietnam, plutôt. C'est ça, Vietnam, c'est plutôt rouge. C'est plutôt rouge, ouais. Les Bali, ouais. On est plus sur le bleu, etc. Et moi, j'ai hâte de voir des Splendidus avec des lignées sélectionnées. Hein. Pas autant que les poissons clowns, mais au moins que tu puisses dire, bah. Le Splendidus du Vietnam plutôt vert, le Splendidus, c'est génial parce que ça, ouais. C'est possible. Ouais. Alors nous, on avait les deux, hein. On avait les deux en géniteur et on faisait pondre, en fait, on avait deux femelles, donc une femelle rouge et une femelle bleue avec un mâle bleu. Okay. Et donc ça donne des fois des rouges, des bleus. Mais ce qui est super intéressant, des fois au niveau de la morphe, de la coloration, les lignes là, ouais, on ouais, en avait qui étaient tout pointillés et qui étaient vraiment super beaux. Ah, et bon, à l'époque, on n'avait pas sélectionné, hein, on ne sélectionnait pas, mais c'est vraiment des jolies bêtes. Hein. Mais je pense que la sélection de Splendidus et tout, de plus en plus, ça va être travaillé aussi en photo, en what you see, what you get. Et on attend d'avoir plusieurs morphes. Même là, hein, les pygoplites, ils ont aussi ça, qui sont des... Alors, je ne sais pas trop te dire si c'est une tare ou pas. Un peu comme la sélection au début des clowns, quoi. Ouais. Mais reste. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on en a deux qui l'ont et qui sont proposés par Bali Aquarish comme tel. Donc ils disent spécimen extraordinaire entre guillemets. Ouais. Et du coup en photo on le voit bien sur les what you see, what you get, on le voit bien. Et c'est vrai que c'est des poissons qui sortent du commun et c'est très joli aussi. Donc hâte de voir au cœur du poisson nous faire des Splendidus. Rouges et des bleus. Ouais, tu sais, ouais, de toute façon t'as pas de date avec ça. Tu te rends compte, il y a déjà 8 mois d'élevage pour arriver à un poisson qui fait 3 cm. Donc, pour qu'il commence à se reproduire, il va falloir compter 18 mois. Allez. 18 mois pour qu'il commence. Tu as un tout petit mâle. Hein, donc, tu vas sélectionner ton petit mâle. Tu vas le mettre avec des femelles qui sont matures. Parce que les mâles sont toujours matures avant les femelles. Tu vas le mettre avec une femelle mature. Tu vas commencer à sélectionner. Là, il y en a pour 4-5 ans minimum avant de sortir des morphes sélectionnés. Hein. Ah, ça commence à faire beaucoup de temps. Ouais. Essaye de trouver des Splendidus. Là. Je sais c'est un œuvre. Ah bah, c'est où ? Je crois que t'avais tout vendu, hein, parce que moi, j'avais regardé, non ? Dans le bac, il est éteint, ouais. Ouais. Et pareil, une question assez bête, mais comment t'arrives à trouver le couple qui. Ah bah, si, c'est une centropige. Ouais, c'est une centropige. Je vais essayer de zoomer, mais je sais pas si je peux. Ça, c'est quoi, Bispinosus, non ? Bispi. Non, c'est oui, Bispi. Hein. Ouais, c'est un Bispi, ça. Ouais. Mais autant lui, ça, c'est un Amarcus. Ça. Ouais. T'arrives à avoir combien de différents poissons d'élevage à vendre, Boris ? Bah en fait, il y a énormément déjà de morphes ici avec les poissons clowns. Donc, il faut déjà que tu me dises, est-ce qu'on les compte dedans ou pas ? Parce qu'en réalité, tu vois, là, tu vas vraiment avoir des mochas, des storms. Ouais. Donc ça, c'est au cœur du poisson, ils ont déjà une cinquantaine de morphes. Ouais, c'est fou, ouais. Ouais, ils ont des beaux poissons, hein. Je les avais vus. Ouais, c'est super. Regardez. Approche la caméra, ils sont là, ils viennent te voir. Il y a vraiment c'est beaucoup l'avantage du poisson d'élevage, tu disais, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins peureux, même dans les aquariums, quoi. Ils sont plus attirés par l'homme. Ils sont moins peureux qu'un poisson sauvage. Ah oui, et puis après maintenant, t'as les frides. Ça, c'est génial aussi, ça. Les groupes comme ça. Alors ça vit vraiment en groupe. Hein. Il ne faut pas hésiter à en mettre quatre. Parce que t'as vraiment le mâle qui va devenir plus gros et les trois femelles, et ça fait un harem. Ah ouais. Mais en tout, je dirais qu'on a bien... En espèces, on doit être sur une quinzaine, une vingtaine d'espèces, sachant qu'il y a des spécificités pour tous les éleveurs. On va vraiment avoir des éleveurs qui vont être sur le centre-pige, comme on a ici, dont Laurentia, par exemple. Il est où, Laurentia ? Il est là. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Ouais. Ça, c'est le Bali Aquarish. On a les pigots aussi. Je vais t'amener voir les pigots. Mais il y a beaucoup d'espèces. Ouais, peut-être, je ne saurais pas te dire, peut-être une quarantaine en réalité.
Si tu comptes tout ce qui se fait en élevage, Ouais, il est compter disponible, ouais. Aura, Biota et tout ça, Ouais. on doit en être ouais, une bonne quarantaine. Bah en Parce plus, qu'il y a tous les gobies, tous les petits. si tu comptes pour Aquatics avec les Gobiosoma et les Gobies, pour Aquatics, c'est un Américain aussi qui fait un super boulot. Normalement, on devrait les visiter. On va partir aux États-Unis, au Reef Apalooza, là, le 18 avril. Donc, on y va avec Guillaume et Mehdi. On va faire que de la story pour essayer de montrer au maximum. Et normalement, on devrait visiter Pro Aquatics et Aura parce qu'ils sont, ils sont là-bas. On va voir ce que ça dit. On va voir les structures, les installations. Et on va visiter aussi, bien sûr, tous les magasins. On fait le tour là-bas. On reste 10 jours. Donc, ça Ça devrait être assez top, ouais. sympa. Du coup, on verra ça sur l'Instagram de Récif Atom, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ça va On verra si être. jamais on arrive à même un jour à se connecter en Facebook, on pourra le Ah tenter pour bah, l'horaire. pas Et de puis, souci. on essaie Ouais, de se avec rencontrer, plaisir. ça serait sympa aussi. Ben, j'aimerais bien, ouais, voilà. On y va parce que Pro Aquatic, c'est des leaders depuis. Enfin, ils sont installés depuis une vingtaine d'années au moins, je dirais. Facile, oui. Ouais, Ouais. facile, hein. Et ils Oui. utilisent des gros mésocosmes avec des cuves de 5000 litres. C'est rempli dans un hangar. C'est vraiment sympa à regarder. On voit les photos. Si vous tapez Pro Aquatics dans Google, vous allez tomber sur les photos. Donc, c'est assez sympa. Et en fait, le but pour nous, ce sera d'apprendre et puis de voir aussi. Eux, ils font plein de petites espèces, Gobiosoma et tout. On les a déjà rentrés. On les a déjà référencés. Nous, on trouve que c'est des super éleveurs. Ils bossent vraiment super bien. Et ils permettent d'offrir une diversité pour les nanos. C'est vraiment nano aquarium, ils ont vraiment une grosse diversité, quoi. D'accord, ouais. Donc c'est Les intéressant. deux premiers, c'était Pro Aquatics et Aura. Bah, Aura en premier et Pro Aquatics après. Là, pour Il y avait eu recevoir les SeaQuest stockistes, aussi. le kit, SeaQuest. Mais SeaQuest, c'est quoi? ils ont fermé en, je sais plus, 2002 ou Ah 2003. Parce ouais, qu'en donc. fait, alors lui, c'était pas un problème de rentabilité, c'était un problème de géographie. Il était à Porto Rico. Ok. Et quand moi je l'ai visité, en fait, le gars arrêtait parce que tous les 4 ans il prenait un cyclone et tous les Ouais, 4 ans il ça refaisait. détruisait tout. Ouais, donc. Ouais, ben ça. Tu sais, j'avais une question, Frédéric, je vais prendre deux, trois questions des gens. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur les poissons d'élevage, tu sais, surtout sur les anges. Si Ouais. tu as moins de chances qu'ils soient prédateurs sur les coraux. Je parierais pas là-dessus. Moi, Moi non plus. ouais. Je Là, pense que c'est pareil, là, hein, t'as un Coerodon fasciatus d'élevage hein, qui vient de la badiner. vache. Ouais, non, les poissons d'élevage, ils gardent quand même l'instinct, hein, donc Ouais, ça reste. si ça leur plaît, ils continuent à le manger, hein. Ouais. Faut pas se leurrer là-dessus, hein, quand même. Ouais. Et pareil, là, je rebondis, mais j'avais déjà entendu parler, c'est sur leur production sur l'échelle Morostratus. Ouais. Et je trouve que ça a déjà Alors, été fait. oui, ça a déjà été fait. Ça a été fait par. Ça a été fait. C'est pas Biota, c'est pas. Comment il s'appelle? Il y en a un autre, je me rappelle plus comment il s'appelle. Oui, qui en a fait. Ouais. Ouais, c'est ça, Ça a été fait. c'est vrai que ça reste comme les poissons durs à nourrir, un peu comme les pigots ou même les singes européens. C'est vrai que ça, poisson d'élevage, tu sais qu'il a été nourri pour Ah arriver. bah, le jour où Chelmonostratus est disponible à l'élevage pour la vente, Ouais, il n'y a plus de sauvage. bah, c'est surtout que c'est exactement le genre de poisson. Ouais. C'est comme Zanclus cornutus, Ouais. c'est comme les leucos quand ils sont disponibles en élevage, etc. C'est des poissons où tu vas te diriger là-dedans parce que tu connais les risques du sauvage. Les risques du sauvage sont énormes. Leucos, bah, tu sais ce que ça représente comme risque. Le chelmon, tu sais ce que ça représente comme risque aussi. Tu as quand même très peu de chances qu'ils vivent. Donc, dès qu'ils seront disponibles en élevage à manger du granulé, oui, c'est génial. On espère que ça arrivera. Pour l'instant, bon, on l'a pas vu sur les. Mathieu dit Hawaï, hein. Il me semble aussi que c'est peut-être Hawaï, non? C'est Hawaï? C'est La Hawaii Seneca Institute? Institute? Ouais. Il me Ou... semble Ouais. avoir vu donc, on avait vu le post, j'avais vu un post comme ça sur Facebook qui était passé. Et les futurs poissons d'élevage qui vont bientôt arriver, tu sais, enfin vous savez ce qui va arriver prochainement, non? Bah, Qu'est-ce qui arrive? les Patus viennent d'être faits Ouais, par Biota, mais c'est difficile d'avoir du Biota en ce moment. Hein, donc, tu vois, il n'y a pas de fleuve. Tout le monde nous demande du fleuve, mais il n'y en a pas. Ouais. Parce que Biota nous en propose pas. Tout Pourquoi? simplement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont le marché américain qui Ouais. achète plein pot Voilà. et que voilà En et fait, qu'ils ils veulent vendent pas en direct aux. s'embêter. Voilà. Ils volent en direct et ils vendent en direct et ils veulent pas s'embêter à faire des exports sur l'Europe. Voilà. Ils ont le marché là-bas. C'est facile pour eux.
Ces prix, bon, les prix sont très très corrects pour eux. Donc, Bah oui. pourquoi Alors que s'embêter à nous, faire des exports en France, hein? il On faut adore là-bas. exporter, il faut payer l'avion, faut enfin bon, il y a tout un truc, Il y a les risques, il y a les. il y a un droit de douane spécial depuis les Ouais. poissons des États-Unis. D'accord. Donc en réalité, ils préfèrent vendre sur le marché local, hein, ce qui est logique aussi pour eux. Ouais. Mais du coup, les hépatus qu'ils ont réussi, bah, c'est un peu pareil. Peut-être qu'on en aura, mais. Ouais. Parce que même moi, je m'étais fait avoir. Enfin, tu sais, je sais pas, comme beaucoup ou pas, on en a parlé ensemble, Boris. Et moi, Ouais. je voyais les petits hépatus. Moi, j'étais persuadé que c'était de l'élevage, quoi. Ouais. Bah, c'est Ah vrai que non, la non, non, première fois qu'on en a parlé, il y a non. 2 ans de Ouais. ça, Ouais. tu m'as dit, moi, mon hépatus, il est d'élevage. Je te dis, Ah bon? oh! Non, c'est pas possible. Ouais, Je on n'étais en a pas vu, prêt à nous. l'époque. Mais j'étais persuadé, hein. Ah Ah ouais, oui, non, non. parce que tu as vu un banc de 15 ou 20 petits hépatus qui étaient ensemble et ça ressemble à de l'élevage parce qu'ils sont tout petits. Ouais. Mais c'est vrai que les hépatus sont pêchés en taille tiny, comme ils disent. Et tiny, c'est vrai que c'est une taille qui est vraiment minuscule. C'est en dessous de small, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, à la période, il y a une période dans l'année où c'est qu'ils ont vraiment des hépatus qui font une petite pièce de 50 centimes. Ah Et là, tu crois que c'est de l'élevage, mais ça n'en est pas du tout. Hein. moi, mon Non, puis il faut les hépatus, il était comme sortir ça. aussi. Il y a un autre problème aussi, c'est que donc, quand ils sont planqués, ces tout petits hépatus, ils Ouais. vont se planquer dans les coraux. Oui. Donc pour le pêcheur, pour aller le sortir, il n'y a pas 36 manières. Hein. Il va au cyanure, quoi. Voilà, Ouais. soit il est anesthésiant, soit tu pètes le pied et tu retournes. Oh la vache. Bah, le C'est cyanure, pas. c'est une catastrophe, hein, Ouais. l'anesthésiant. Et péter le pied, faut voir comment le pêcheur regère derrière le pied, quoi. Ouais, j'imagine. Non, Ouais. c'est catastrophique. Hein. Les pieds Ouais. tiny, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Ouais. D'accord, ouais. 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 Mais c'est vrai que moi, j'ai pensé avoir acheté un Ouais. poisson d'élevage à l'époque, tu vois. Oui, c'est ça. C'est que tu penses à acheter un poisson d'élevage et tu te retrouves avec un poisson qui, en fait, est tout le contraire, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est à toute l'industrie aussi, c'est à tous les magasins de jouer la transparence, de dire ce qui est d'élevage, ce qui est sauvage. Ouais. Mais bon, de toute Après, sur façon. ton site, c'est bien marqué, hein. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux Oui. les poissons d'élevage. En plus, tu as mis tous les. Oui. Bah, en fait, la première chose pour que. Nous, pour nous, la première chose, c'est d'être transparent. Même l'éleveur, tu peux le choisir. Si tu veux un poisson clown qui vient de chez Maersk, si tu veux un poisson clown qui vient de chez Au Cœur du Poisson, tu peux le choisir. Et Ça, ça c'est nous vrai. paraît important parce que nous, on se dit, chacun a ses affinités. Vous pouvez préférer tel éleveur ou l'autre parce qu'ils ont un tel système et vous, vous préférez cela. Et après, c'est bien aussi parce que ça évite de critiquer tout l'élevage. Si par exemple, tu rencontres un problème avec un poisson qui vient de chez Bali Aquarish dans un magasin, moi, je te dis, il faut 3 semaines pour l'acclimater pour nous. Donc tu te rends compte que ça peut être difficile. C'est des super poissons parce que personne ne fait du Pygopidiacanthus. Ouais. Mais nous, on met 3 semaines à les acclimater. Ouais. Et ça permet aussi d'avoir une transparence et de te dire, bah, ce n'est pas l'élevage qui marche pas, c'est Bali Aquarish dans ce cas-là, etc. Donc la transparence, le fait de montrer les éleveurs et tout ça, c'est aussi pour montrer que même parmi les éleveurs, il y a des gens qui bossent différemment. Même parmi, c'est vraiment important pour nous. Ouais. C'est notre point de vue. Donc on essaie d'être le plus transparent possible. Et puis de toute façon, le sauvage arrive, les quotas sur le sauvage arrivent. Il faudra quand même, enfin, faut quand même agir et ne pas laisser l'aquariophilie s'éteindre. Hein. Il n'y a pas. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Bah, toi, c'est comme pour l'aquaculture avec les coraux, quoi. Moi, maintenant, c'est vrai que je suis fan des coraux d'aquaculture. Là, quand je vois la résistance, j'ai beaucoup moins de pertes. Ouais, oui. C'est rien à voir, quoi. De toute façon, sur les acropora, des légendes mondiales comme Jason Fox ou comme plein d'autres te disent que pour obtenir des acropora signature, pour en obtenir un, c'est 99 autres coraux qui seraient morts si la personne avait acheté du sauvage. Ouais. C'est très compliqué hein, d'acclimater des acropora sauvages. Alors soit on est surdoué, on a un beau bac, ça, il y en a plein en France, et ils y arrivent, c'est pas le problème. Mais la réalité, c'est que sur 1000 aquariums, il n'y a pas 1000 aquariums qui peuvent accueillir des acropora du milieu naturel pour les acclimater à ça. Et là, la signature, elle intervient là-dedans. Elle intervient sur la rareté, la beauté, mais aussi sur la résistance. Et Ouais, rien à voir. c'est sûr que c'est un avantage. C'est comme le Splendidus, c'est comme le. C'est, voilà, on est sur des espèces qui ont vraiment des avantages. Ouais. L'élevage a un gros avantage. Ouais, que ce soit poisson gros, puis même du coup pour le côté ethnique, quoi, ce serait que les Ah ouais, ah bah coraux. oui. Ah bah, l'éthique, ouais, tu l'as, hein, clairement. Tu dis, bah voilà, c'est utile pour ça. Et je pense que de toute façon, c'est l'avenir dans tous les sens. L'élevage, ça paraît logique, hein, mais Et puis, c'est vrai que ça a mis du temps.
Ça a mis du temps, ça commence à se démocratiser. Ouais. Donc là, on arrive à trouver des proies vivantes un peu plus, oui, ça, c'est plus super. Facilement. Ouais. Moi, j'encourage tous les aquariophiles à s'essayer hein, à l'élevage. Hein. Oui. Ça a un coût, donc voilà. Ouais, mais je trouve que ça commence vraiment à redescendre aussi. Avant, je trouvais qu'il y avait une très, très, très grosse différence. Ah oui, non, mais moi, je parle de ça a un coût de s'essayer à l'élevage. Parce qu'en la réalité, c'est que les proies, les Acacia tanza, les Parvocalanus, c'est pas gratuit, quoi. Ça coûte quand même de l'argent. Donc, l'échec coûte, c'est vrai. Hein. Mais maintenant. C'est-à-dire que pour se faire la main, on n'a pas forcément besoin de beaucoup, beaucoup de copépodes, hein, même si ça marche bien, hein, vraiment bien le copépode. Il y a pas mal d'espèces qu'on peut commencer au rotifère. Oui. Et là, c'est intéressant de se faire la main dessus. Et après, de progresser au fur et à mesure. Les Ocellaris ou les Codermis, c'est ce qu'on voit le plus sur les groupes. Oh, les Codermis, c'est Artemia direct. Hein, ouais, Mais le Codermis, c'est un des poissons les plus difficiles parce qu'il est facile. Donc, comme il est facile, les parents en font qu'une vingtaine, une trentaine. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'en sortir 1000 par mois, c'est quasi impossible. C'est ça, Non, mais c'est hyper compliqué en fait le terrain. Pour en sortir en quantité, hein, je parle. Oui, bah, c'est très facile, mais hyper compliqué en quantité. C'est poisson protecteur et du coup, il y a un gros taux de survie, du coup, c'est difficile d'avoir de la quantité uniquement. Mais c'est vrai que, après, voilà, bon, l'avenir est sur l'élevage, c'est sûr, du fait qu'il y ait des quotas qui arrivent sur le sauvage, hein, on est d'accord là-dessus. Mais aussi, je pense, par la technologie, hein, forcément, tout se relie. Comme tu dis, les proies sont disponibles, donc t'as Acacia tanza, il y a Parvocalanus qui arrive aussi. Et en fait, mélanger Parvocalanus avec Acacia tanza permettrait de faire des chirurgiens, permettre de faire des choses qui sont quand même d'un autre niveau. C'est l'avenir aussi. Hein. Bon, après, là, c'est très, très technique quand même. Hein. On est sur des choses qui sont vraiment difficiles et qui expliquent aussi pourquoi le poisson d'élevage est plus cher au début. Et une fois que les procédés sont maîtrisés, il descend dans le temps. Le prix descend. Mais il faut quand même expliquer pourquoi c'est intéressant les copépodes, hein, parce que c'est une question de taille de proie. Oui. C'est en fond de la bouche de ton poisson. Ouais. Y a beaucoup de poissons qui sont incapables de manger du rotifère à la naissance. D'accord. Et donc, en fait, tu es obligé de taper sur des proies qui sont beaucoup plus petites. Et donc là, on va avoir les Acacia tanza et les parvos qui vont être de l'ordre de, je crois que c'est de mémoire, entre 60 et 80 micros. Oui. Et puis surtout, la manière de nager des proies. Et puis oui, le côté saccadé. Du nopli, c'est attractif pour la larve quand elle chasse, alors que le rotifère, c'est une nage lente et continue. Ça tourne sur lui-même comme ça. Il n'y a pas ce côté stroboscopique que peuvent avoir les larves de copépodes qui déclenchent, quoi. Parce que les noplis, c'est tout petit, mais ça, par contre, c'est pas du tout. Ça dépend les noplis de quoi, ouais. Parce que c'est pas du nutritif, on dit tout le temps que les noplis. Ah si. Les noplis de copépodes sont nutritifs. Oui. Les noplis d'Artemia, les noplis d'Artemia, c'est nutritif si tu utilises une bonne marque. Les bonnes souches. Ah ouais. C'est voilà. Ça, chaque fois, toi, on dit tout le temps, ouais, noplis d'Artemia, c'est pas nutritif. Ouais, mais c'est simple, quand ils éclosent, les noplis d'Artemia, il faut qu'ils soient rouges, le plus rouge possible. Ouais. Alors, plus ils sont rouges, plus ils sont nutritifs. Voilà, pas forcément, mais parce que moi je me rappelle des anciennes souches qu'on avait, ce qu'on appelait la Brésil. Ouais. La Brésil, elle était presque jaune paille. Ah, donc t'avais quand même une couleur, mais pas rouge, quoi. Alors, pas rouge. Ouais, mais non, faut pas que ce soit gris, quoi. Bon, on va dire ça. Ah non, pas gris, non. Parce que moi quand je disais ça, j'ai jamais connu la Brésil, la jaune. Ouais. Et j'aurais bien aimé la connaître. On l'appelait Brésil pour le drapeau jaune ou? Non, parce qu'elle venait. Elle venait du Brésil, quoi. Ouais, ouais. Énorme. Mais du coup, elle s'adapte au pays. Elle était toute petite et très riche. Et okay. Après, ça a été arrêté ou ça a été. Oui, bah après, ouais. C'est le problème des pays. Mais c'est que de la pêche. Il hein. faut vous rendre compte aussi que c'est que de la pêche. Ouais. Donc, si les milieux sont dégradés ou. Il n'y en a plus. Voilà. Ou si les qualités. Là, sur Acacia, ton. Il a dû perdre son réseau, il va revenir. C'est compliqué d'avoir des artémias de bonne qualité, on peut en avoir hein, quand même. Hein. Ouais. Il y a les grandes marques, il y a Mathieu qui en fait, il y a. Ouais, moi j'utilise celle-là de Mathieu, là, j'ai les fiches concept, là, ils sont vachement bien, c'est eux, c'est.
Il y a un beau temps d'éclosion. Alors ça, c'est un critère de qualité d'œuf, le taux d'éclosion. Bon, Ouais, le bah c'est problème, ça, c'est qu'il ouais. faut s'amuser à les compter. Mais normalement, une bonne souche, c'est 1 million pour 4 grammes. Ouais. Donc après, il faut faire des dilutions, il faut compter dans un 0,1 millilitre. Mais il faut les compter. Et sinon, une souche correcte, ça va être 1 million pour 7 grammes. Les souches pourries, elles commencent à 1 million pour 12, 15, 20 grammes même. Donc, c'est pas intéressant. Et puis t'as des taux d'éclosion sur les souches. Nous, on a eu une souche là, contaminée ou un lot pas très bon. Ouais. On était à 40% d'éclosion. Ouais. Ça, c'est pas très bon. Bon, visiblement, je veux pas faire un... On nous a dit que c'était des souches qui venaient de Russie. Donc après, je veux pas faire le. Mais Alors. tout vient de Russie. Non, mais pour le coup, on avait un taux d'éclosion qui n'était pas bon. Alors moi, j'en ai utilisé des souches de Russie qui avaient un Ouais. super bon taux d'éclosion. C'était Ouais, nickel. Le problème, c'était l'enrichissement. Elle supportait pas je ne supportais l'enrichissement. pas. Voilà. Nous, à C'était 1, sans excellent souci. pour l'eau À douce. 2, moins bien, quoi. À 1, pour faire simple pour les gens, c'est 24 heures d'enrichissement. À 2, c'est 48 heures. C'est une manière de monter la taille de la nopi. Et nous, à 1, on n'a jamais de soucis, mais à 2, on a des soucis, quoi. Toi, tu as Mathieu là, tu sais, qui vend aussi ses noplis, Ouais. méthode d'éclosion. C'est vrai que moi j'avais testé, mais moi à titre comme ça, tu vois, c'est vrai que je voyais le taux d'éclosion et puis la quantité qu'il y avait. Tu sais, je faisais ça avec le truc rond là, classique. Ouais. Classique, ouais. Tu en mets une pincée, là, tout seul. En moins de. Ouais, je crois que même pas 10. Mais ça a rien à voir, c'est de la bombe, c'est des super nopli. Enfin, t'es sûr des choses qui n'ont. De toute façon, dès que tu prends dans le milieu professionnel des nopli pour l'aquaculture et que tu prends de la qualité, tu te rends compte que ça a rien à voir. Regarde, je vais aller. Alors, bon, je vais voir si j'ai le réseau jusqu'à là-bas pour vous montrer l'éclosion. Ouais, après, donc tu fais éclore tes artémias, hein? Ouais. Donc, tu les récoltes le lendemain matin et tu les remets dans un milieu propre pour les enrichir. Et d'ailleurs, là, à ce moment-là, tu les nourris avec soit un enrichissement à un type Selco, Ouais. soit bon, aux algues, mais les algues, c'est un peu moins, ça booste un peu moins quand même, hein, mais D'accord. Ouais. aux enrichissements. Et Ça la fait tu en les récoltes, enrichissement. une première fois, une deuxième fois et tu les remets à enrichir. C'est important de les enrichir deux fois sur les artémias parce que, alors, ce qui se dit, c'est qu'en fait, l'artémia, c'est une pilule vide et quand tu mets l'enrichissement, il mange l'enrichissement et en fait, ton poisson mange l'enrichissement et l'artémia. Alors, c'est une réalité, mais quand tu l'enrichis deux fois, ton artémia, il a métabolisé une partie déjà de l'enrichissement et donc il est plus gras. Et ça, c'est D'accord. bien meilleur, bien Ah meilleur. Il grossit pas énormément, hein, il grossit un petit peu plus, mais le gain nutritif est énorme, énorme. Donc ça demande d'avoir trois bassins pour faire de l'artémia. Un bassin pour les D'accord. éclosions, un bassin pour enrichir J1 et un bassin pour enrichir J2. Et tu fais ça Et sous ça fait trois des jours? bouteilles, hein. Ouais. Pardon? Sous 3 jours, tu fais ça, non? Ouais, sur 3 jours, ouais. Ouais, t'as le A1, A2, A3, et en fait, là déjà, tu vois ces artémias-là, ces noplis-là, quand on passe sur du INV, sur des choses où comme Mathieu, tu vas avoir une qualité vraiment top. Déjà, tu as la couleur orange, là on les a mis que depuis 6 heures, mais tu as déjà une couleur qui est présente. Et on ne Ça l'avait c'est pas bon du aussi, tout avec les artémias qu'on avait avant, qui étaient plus bas de gamme. parce que moi pareil, Mathieu m'avait passé un cône là, j'avais Ouais. pris, et c'est vrai que c'est incroyable, mais pareil, ça faisait orange quoi. Ouais, mais parce qu'ils vendent la bonne qualité, tu vois. Ouais, et c'est vrai Et en qu'après fait, le fait d'avoir le orange au bout de quelques heures et tout, c'est quand même très bon signe, à mon sens, ouais. si c'est Là touchable. maintenant, oui. Ouais. Alors, une fois de plus, la vietnamienne, là, qui est aussi une très Ouais. bonne source, elle reste un peu plus claire, quand même. Ok. Ouais, Elle est après, vraiment on y claire. va un peu comme des bourrins, parce que je crois qu'on met quand même 15 grammes dans 7 litres. Ouais. Ah oui, là, vous y allez un peu comme des bourrins, Utilise à parce que Fernand, normalement. écoute Fernand, mets-en moins. C'est 0,7 grammes au litre, hein. Du coup, ouais, tu vois, Normalement. c'est Ouais, c'est ça. intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de 5 grammes, on en a le double ou le triple, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Parce que ça, c'est la production que tu vends aussi pour vendre Ouais. aux gens Ouais, qui avec des poissons un peu durs à acclimater, comme à l'huître pour les ouais. chèvres. Ouais, puis pour nourrir les coraux aussi, hein. La nopi d'Artémia, nous, on nourrit tous nos coraux. Alors, avec la nourriture qu'on prépare en congelé, tu sais, on fait un mélange de poissons blancs, d'huîtres, etc., qu'on recongèle, enfin, qu'on prépare et qu'on congèle. Et tous les jours, ils ont nopi d'Artémia. Et c'est quand même une petite.
petite baguette magique au niveau nourrissage, la Nopis Artemia. Hein. Dans un aquarium, ça pollue pas l'eau, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Par contre, la Nopis Artemia enrichit, quoi. Ouais, c'est ça, bah oui, parce que le corail en soi, théoriquement, il lui faut 3 jours d'enrichissement. Donc, t'es sur le but, c'est qu'il capture entre 500 et 700 micromètres, enfin, au moins 450, tu vois. Et du coup, pas du tout du AF, lui, il va pas chercher de la petite taille d'Artemia, il va chercher du plutôt assez gros. Et il faut qu'il soit enrichi. Mais tu peux pas l'enrichir au Selco, par exemple. C'est pas fait pour les coraux, c'est trop gras, justement. Tu vas avoir des lipides dedans qui sont pas très intéressants pour le corail. Donc, faut mieux enrichir au phytoplancton ou au RG complète. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Coraux, quoi. Du coup, ouais. C'est différent selon ce que tu veux faire. C'est pour les poissons, il faut que ce soit plus gras. Et pour les coraux. Bah pour les poissons, Alain, t'en parleras mieux que moi. Mais ouais, pour les coraux, en tout cas. Adapte ta nourriture en fonction de ce que tu veux nourrir. Hein. C'est indispensable, ça. Hein. Ouais. Et tu parlais du RJ complète. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, il y a toute une gamme de produits. Mmh. Qui sont destinés à l'aquaculture, qui rentrent maintenant dans le grand public, ouais. Et qui simplifient la vie quand même. Hein. Ah bah le RG complète, tu le mets sur pompe doseuse, tu nourris tes rotifères. Hein. Ouais. Parce qu'avant, il fallait faire une culture d'algues. Bah oui, ouais, c'est ça. Moi, ce que j'avais fait, j'avais fait du phyto, là, et je les enregistrais au phyto. Bah là, tu vois, le RG complète, c'est ça qui est génial. On le vend en petite seringue aussi pour entretenir pendant 10 jours. Et en fait, le gros avantage, c'est que c'est des algues marines dedans. Elles sont pas détruites à la quand elles sont centrifugées pour être concentrées, elles sont pas détruites. Et du coup, tu les prends, tu les dilues au frigo. Et tous les jours, ou toutes les, bah, nous, on en met toutes les 2 heures en pompe doseuse, parce que on fait ça, forcément. Mais je veux dire, sinon, tu le mets une fois ou deux fois par jour. Et tu vas venir les mettre directement dans tes rotifères pour entretenir les populations. Et ça t'évite d'avoir le... Enfin, tu gardes quelque chose au frigo, quoi. Ouais. Le gros avantage du RG complète, c'est que dedans, tu as un amobloquant et tu as un buffer de pH, ce qui fait que ton pH reste élevé et ton amobloquant évite l'ammoniaque, évite tout ça. Et du coup, tu te retrouves avec des rotifères en pleine forme, quoi. D'accord. Et c'est stabilisé, donc ça voilà. Se garde un moment au frigo, hein, quand même. Hein. Ouais, en plus. Ah oui, ça, y a pas de souci, non, c'est un super produit. Rif Nutrition, c'est vraiment. C'est Rif Nutrition, c'est qui fait ça ? Ouais. D'accord, ouais. Ouais, et puis ça évite, parce que des fois, tu vois, tu sais, quand ils sont enrichis en engrais, le phyto et tout, il y en a après qui. C'est pas. Ah bah, le problème du phyto, c'est que tu vas utiliser une liqueur de Conway ou un guillard, et puis pour les plus courageux, de l'engrais pour géranium. Mais je veux dire, ah bah, ça s'est vu, on l'a déjà vu beaucoup de fois. Je le faisais, hein, je l'ai fait. Hein. c'est un courageux, Alain. Et dans l'idée, quand tu vas faire ça, il va toujours y avoir des résidus. Donc, il y en a beaucoup qui ont eu ce problème-là, à se poser la question, à se dire, mais j'ajoute tout, je fais tout bien, j'ai beaucoup de cuivre. Parce que le cuivre, ça vient souvent aussi des engrais. J'ai beaucoup de phosphate, Et en fait, tu te rends compte que c'est parce que les milieux dans lesquels il y a le phytoplancton sont trop riches et le phytoplancton n'a pas tout consommé. Du coup, tu en ajoutes dans l'aquarium. L'idéal, c'est de centrifuger. Nous, on a une petite centrifugeuse ici, mais en vrai, c'est dur à faire parce que tu fais des tout petites quantités avec une centrifugeuse. Donc, l'idéal, c'est de prendre du phyto. Et Isirif, par exemple, tu prends du Isirif, c'est génial. Ils ont une bonne qualité. Tu vas prendre du Sikem, tu vas prendre, bon, il y a plein de marques, hein. Ouais. Mais l'idéal c'est de prendre un phyto qui n'a pas d'engrais, quoi. Ouais, ok, ouais. Ouais. Et là, ce que tu parlais là, pour enrichir, là, ça vaut cher la bouteille, non? Le RG Complete? Ouais, RG Complete, ouais. Bon, on le vend sur le site en pipette de JML pour l'instant. Ouais. On a une catégorie qui s'appelle phyto et zooplancton aquaculture RH. De mémoire, ça doit pas être très cher, tu peux me dire, Guillaume, s'il te plaît? J'ai aucune idée. Du coup, c'est une pipette de 10 ml. Ouais, en fait. T'en mets très peu, en fait, hein, quand même. Ouais. Comment? T'en mets très peu, en fait. 10 ml, ça suffit. Hein. Je veux dire, c'est pas. En fait, pour 10 ml, t'es capable de produire 1 million de rotifères. D'accord. Alors, bon, tout dépend de ce que tu veux faire, de tes ambitions, etc. etc. Ça se vend au litre, et nous, on le remet en 10 ml pour que les gens n'aient pas besoin d'acheter un litre. Parce que ça fait besoin. T'as combien, Guillaume? Sur Live Food. Non, faut que tu ailles dans. Attends, je regarde en même temps sur le site. Je peux le mettre sur le site. c'est super pratique, hein, le RG. Descends. Alors, c'est culture Artemia et rotifère RG complète, c'est 4,90 €. Oh, c'est pas cher, ouais. Bah, c'est surtout, voilà, le problème, c'est que tu as besoin de petites quantités. Ça permet d'être ajusté parce que si tu achètes un litre. Nous, on consomme 1 litre en 3 semaines, mais faut voir, on en ajoute, ouais, quoi. Y aller, ouais. Ouh, on n'a pas trouvé ça adapté. Ah, c'est cool, quoi.
Ouais. Bah oui, bah, tu as ça. Et après, si tu veux du phyto, si tu veux cultiver ou si tu veux enrichir ton phyto pour, vaut mieux pas utiliser le complet, tu peux prendre le Easyreef d'Easy Booster aussi. Easyreef, c'est au Portugal, c'est une grosse. C'est bien aussi, c'est vraiment Ah, pas c'est vrai, mal. c'est pour intéresser du monde, tu sais, pour nourrir, tu sais, comme tu disais tout à l'heure avec les nopplies, tu sais, pour nourrir les coraux, quoi, parce qu'on est Ouais. tous aussi entre les poissons et les coraux, tu sais. De toute façon, on le voit, on a offert quasiment 500 pochettes de nopli quand on a lancé la catégorie avec les nopli d'Artémère. Et on a beaucoup de clients qui nous en recommandent et qui nourrissent. En fait, à chaque fois qu'ils nous font une commande de vivant, ils mettent des nopli avec. Ça permet de nourrir. L'idéal, c'est sûr, c'est de nourrir tous les jours, mais c'est pas possible. Enfin, Ouais, nourrir j'ai tous les pas jours avec des pensé ça. nopli. Mais c'est faut que c'est. Y a deux mois quand j'ai commandé, toi, j'ai pas pensé à prendre. Tu sais, j'ai les nopplies, tu vois. J'ai Ah commandé dans le vivant, c'est pareil que tu peux livrer. J'avais vu bah, les algues, tu fais ah aussi les. Les gens, ils savent pas que quand ils commandent le vivant, du fait que ça vient en 24 heures, tu peux commander le congelé avec, quoi. c'est ça. Comme tu Ah nous l'as dit. Donc ça, c'est cool aussi, quoi. Ça, c'est aussi l'avantage. C'est vrai que là, la boutique, là, vous. Vous avez vraiment de plus ça va, vous avez vraiment tout quoi. c'est Bah une très après. belle boutique. Pour l'avoir vu la semaine dernière, c'est une Ouais. très belle boutique. Non mais c'est vrai qu'il s'arrête jamais quoi. Déjà avant, tu avais plein de trucs, mais c'est vrai que vous Ouais. êtes toujours en train de lancer des nouveaux projets quoi. Il y a eu les En algues, fait, on suit ce qui nous tient à cœur, en fait. Ça fait 3 ans quand même que je voulais partir sur le projet Algal, donc la salle d'algues. Là, je vais ça c'est essayer d'y aller sympa. après pour voir si ça coupe pas. Ouais. Mais ça fait 3 ans qu'on essaye. Et en fait, là, ouais, ça se débloque assez vite. Donc, il y a la salle d'algues, la salle larvaire, les cultures de rotifères, cultures d'Artémia. Et en fait, c'est quelque chose qu'on faisait déjà il y a 15 ans et qu'on a laissé en stand-by un peu au début pour vraiment se concentrer sur les coraux. Ouais. Et là, on se dit, ouais, les coraux, c'est bien, mais pour faire un bac 100% d'élevage, il y a les coraux, il y a les poissons, mais il manque les détritivores. Et nous, on part à fond là-dedans, quoi. Et il faut vraiment qu'on ait une offre complète, je pense, pour être responsable. C'est mon avis, hein, mais. Ouais. Non, mais c'est Ouais. vrai que c'est ça, c'est bien parce qu'à la limite, tu achètes ton poisson, même tu prends tu sais, de la nourriture vivante avec. Tu sais que les poissons, ils aiment toujours aussi, tu Ah vois. bah les nopplies, oui, Ouais. surtout de l'anthias, enfin tous les poissons. Ouais, c'est clair, tu vois, ça les rend fous, quoi. Bah, c'est ça, tu peux prendre, de toute façon avec le, t'achètes des coraux, des poissons, tu peux prendre des détritivores, bien sûr, tu peux prendre de la nourriture congelée, ce sera pas dans le même colis évidemment. Ouais. Tu peux prendre de la nourriture vivante, les nopplies, etc. Et ça va tout dans le même colis. Tu peux même prendre du matériel. Ouais. Comme ça, C'est chouette, ça ça. permet de centraliser un peu le truc, quoi. Non, mais c'est chouette ce que vous faites. C'est vrai que tu vas sur un seul site et tu as tout au même endroit, quoi. C'est ça qui est. Puis ça évite de repayer les frais de livraison, quoi. Parce que Ouais. du coup, tu les payes qu'une fois, quoi. Après, voilà, c'est l'objectif. Mais après, nous, on fait ça d'abord parce qu'on aime bien élever des choses. On est quand même bien, bien là-dedans. Et puis d'essayer de faire avancer les choses aussi, parce que c'est vrai que c'est bien que les gens puissent acheter eux-mêmes aussi les œufs, les acacias. C'est bien. En fait, je pense que ça, c'est quelque chose d'utile, mais on verra. Peut-être que dans un an, on verra des aquaculteurs un peu partout en France. Ouais, mais je pense que ça commence à arriver. Même les poissons d'élevage, tu vois que je pense qu'il y en a qui vont s'y mettre. On en voit déjà un petit peu qui commencent à en vendre. Et puis même l'aquaculture, hein, tu vois qu'il y en a qui essayent. Mais bon, après, c'est cool d'être Essayer en d'aller jusqu'à la salle larvaire, jusqu'à avance. là. Je suis pas sûr, honnêtement. Ouais. Ouais, alors, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des œufs en eau de mer, d'avoir des reproductions par Ah rapport à ouais? l'eau douce. Oui. Tous les poissons d'eau de mer se reproduisent au bout d'un moment. À partir du moment où on les a en couple, ils Ouais. finissent toujours par se reproduire. Moi Ça aussi, se je me passe posais la donc. question tout à l'heure, là, je te posais, j'ai dit comment. Alors, regarde, Alain, on a fait un système de flotteurs. Avec les paniers Aquaprint, donc tu sais, pour les micro-bagues à la base et les médias. Ouais. Et en fait, dedans, on met les géniteurs. On a Victorio. Hi, Victorio. Hi. Victorio est italien. Il fait une thèse sur la reproduction des poissons et sur différentes choses. Et là, on a les Lysmata verdermanii qui sont dedans. Et en fait, ça, c'est nos petites cages à crevettes. Ok. Elles sont mignonnes. Hein, Ah bon, il y en a déjà une, tu vois. Tu vois la cage? ouais. Tu vois comme elle est utile, la cage? Ouais. Il y en a une dehors. C'est clair. Mais bon, l'idée était bonne. Après, on va rajouter une petite toile de 100 microns et puis ça va être réglé. Mais ça, c'est la Bah, salle larvaire. un peu plus gros, Comment? Boris.
un peu plus gros, tu les laisses jusqu'à l'éclosion. Oui, non, oui, 100 microns, Ouais. 500 microns pour les larves, Ouais, facile, ouais. pour qu'elles puissent sortir. C'est celle-là qui fait 100 microns pour pas que justement les larves s'en aillent. Mais oui, là, jusqu'à l'éclosion, mais je pense que ça va être rapide. Puis tu vois, là, bon, on a tout installé, ça va être fini cette semaine, il y a l'écumeur qui tourne, il y a tout ça, donc on a une bonne qualité d'eau, on est content. Mais t'as agrandi le magasin, non? Ah, c'est une nouvelle pièce, ça. Ouais. Donc là, ce qui est cool, c'est que bon, il faut encore qu'on branche l'évier et deux, trois trucs. Mais là, on lance les larvaires, là, ça a démarré. Et t'as vu, j'ai pris ton conseil, regarde. Il y a la petite canne ici. Ah. Parce qu'en fait, Alain m'a dit tout de suite, il m'a dit, au fond, il y a un trou. Et en fait, même si tu fais un mouvement circulaire, toutes les larves vont finir au fond. Ah, ok. Donc, on se retrouve avec une petite canne pour bloquer le fond, avec un tuyau silicone souple au fond, c'est parfait. Non, non, mais on arrête, on a vraiment hâte, tu vois, là, on espère sortir à peu près, enfin, déjà, faire les lits ce matin, on attend les Debellus, les Ambonensis et les Mitrax. Donc ça, c'est avec plaisir, c'est dans la salle larvaire. Et puis sinon, je vais me diriger dans la salle d'algues, là, pour le coup. Et tu Alors, sais que Mitrax, tu une peux fois en de plus, c'est sortir pas d'où? un élevage compliqué, le Mitrax. Ouais. Simplement, c'est super long aussi. Ah ouais, Ouais, c'est super super long. Ah ouais. long. Ah, allez, à... 3 mois, t'as un truc qui fait, allez, s'il fait 4 mm de diamètre, t'es content. Ah ouais, d'accord. Sur la carapace. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, Et c'est ça en tout fait petit, beaucoup, ça, non? Par mais. exemple, en sortir beaucoup, tu vois qu'ils pourront en sortir en quantité? Alors moi, j'en ai fait une fois parce que bon, voilà, vu comment ça pousse, on a arrêté d'en Ouais, c'est faire. clair. Et le larvaire est facile. Alors, on les a jamais vendus. Hein. Ils ont fini dans la piscine parce que bah, il tenait trop de place pour. Voilà. Mais ouais, non, mais je sais pas combien de temps il faut pour arriver à avoir une taille vendable. Là, il est le long du pouce. Je suis sûr qu'il faut au moins 7 ou 8 mois facile, minimum. Ah ouais, Minimum. la vache. Ah oui, Ah ouais. ils sont à peu près de les vendre alors. Bah sur Si, le. Ça après. dépend du Mitrax, peut-être. Aussi d'espèce. Oui, parce que tu as Mitraculus sculptus qui est plus long que Ouais. Forceps. Mais en plus de ça, tu sais, on a des coraux, on met 6-7 mois. Quand tu prends certains Rainbow Crush, Et certains oui. chalutes, Ouais. Ouais, on en avait bah déjà nous, ça nous fait pas peur de stocker 8 mois des Mitrax. parlé. Ouais, bah, c'est vrai que les coraux, tu as tellement fait aussi. Eux, On ils a sont. plusieurs touches. Ouais. Alors, à chaque fois, on va avoir de la nanochloropsis, etc. Ouais. Donc, on travaille sur plusieurs choses en même temps. Mais pour faire simple, c'est ça qu'on peut donner directement à manger aux rotifères. Ouais. Donc, c'est la première étape. Et nous, on l'ajoute dans le bac, dans les aquariums, on les ajoute aussi comme booster de microfaune, quoi. Ça, il y en a plein qui le font. Un petit truc sur les artémias aussi. Quand vous Ouais. faites des artémias, vous utilisez de l'eau de mer. Hein. Ouais. Ça sert à rien et surtout pas, il faut pas le faire, il faut pas utiliser un sel trop riche, utiliser un sel bas de gamme. Mais bas de gamme, pas au mauvais sens du terme, mais un sel pauvre, voire un sel de cuisine ou quelque chose comme ça. Si vous avez trop de magnésium, trop de calcium, trop comment ça s'appelle, de trop de sel dissous, en fait, ça éclot pas. Bah, ça éclot mal. Ouais. Il faut allumer les lumières aussi. Oui, elle mettre la lumière dessus. C'est Donc, 15% d'éclosion glanée avec une lumière, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, 15% d'éclosion en plus avec de la lumière. Donc, les températures plutôt vers 28, hein, et les salinités aux environs de 30, 35. Voilà, ça éclot bien là. Ouais. Et donc, prendre un sel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc les artémias vivent dans les salines. Donc Ouais. dans les zones les plus salées. Et dans les salines, en fait, donc l'eau de mer se concentre, les sels se concentrent, et en fait les magnésiums tombent de suite parce qu'ils sont trop concentrés dans l'eau et donc ils précipitent. Et après, vous avez tous les calciums qui précipitent avec les carbonates. Et en fait, à la fin, il reste plus que le chlorure de sodium. Hein. Et donc D'accord. les artémias, ils sont habitués à vivre dans des eaux qui sont très pauvres en calcium, en magnésium, en carbonate. Hein. Ah ouais, ok. Et ça joue sur l'éclosion. D'accord. Donc, si vous prenez un sel trop riche en sel et que vous n'avez pas un beau tour d'éclosion, ben vous repassez sur du sel de cuisine, à la limite presque Ah ouais. pas iodé, ouais, Ouais. ça Ah ira. ouais, c'est les yeux, Là, ouais. vous avez de l'EG? On a de l'EG. Alors après, nous, on met des choses pour conserver la l'hygrométrie et puis le.
Donc on voit qu'on a des petits trucs dedans pour conserver, pour pas qu'il y ait trop d'humidité. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, comme dit Alain, on a un sel qu'on utilise qui est plutôt pauvre, naturel, un gros bulage, une température à 27 degrés et de la lumière. Ouais. Et avec ça, il y a raison. Beaucoup, ouais. Ouais, ça y va fort quand même. Ouais. Écoute, on a des taux qui sont quasi pas parfaits, mais qui frôlent les 90%, donc sur des volumes où on y va vraiment très fort. Donc moi je suis plutôt content parce qu'on met beaucoup beaucoup de nos plis, on dépasse largement le truc. Et là on voit, vous voyez, là on en voit, on a toutes les vitamines de Guillard, ça c'est pour faire du phyto. Ouais. Là on a tous les Selco, donc là c'est pour l'enrichissement des poissons. Là on va avoir le RG complète et là on va avoir le Easy Booster. Donc là plutôt destiné à mettre dans l'aquarium et là plutôt destiné à pas mettre dans l'aquarium. Et après on va avoir, voilà, on voit les bouteilles de RG complète et tout. On a tout un système avec une seringue au bout qui permet vraiment d'être clean dessus, quoi. Ouais. Mais oui, tu as raison, le 28 degrés vraiment important à cause du pont hydrogène principalement. Enfin, on dépasse 27 degrés, dès qu'on dépasse 27 degrés, on a beaucoup de choses qui se font beaucoup mieux, quoi. Ah ouais, en chauffant Oui. D'ailleurs, il faudra qu'on monte la salle larvaire à 28. Ouais. Parce que la salle larvaire elle est à 26 parce qu'il fait un peu chaud, mais là elle va monter à 28. Donc ouais. Forcément pour avoir des bons résultats, quoi. Ouais. Mais d'accord, mais là, tout, là on voit que tu as quand même pas mal en production, mais c'est parce que tu t'en sers beaucoup pour toi, pour le magasin, ou c'est tout ça, ça part aussi à la vente Les deux. Les deux, ouais. Les deux, en fait, la première chose pour un aquaculteur, c'est d'essayer déjà d'être rentable sur ce qu'il produit, ouais. Toutes les étapes et à toutes les chaînes, et qu'il n'y ait pas de rejet. Donc en fait, le but pour nous, c'est, tu vois, même là, on avait des pierres vivantes qui étaient là en acclimatation, on les nourrissait avec du phyto, quoi. Alors, ouais, mais bon, tu vas pas le jeter, donc c'est clair que les pierres vivantes sont belles, quoi. Et en fait, tu commences à te dire, bah oui, mais moi, je veux nourrir aussi mes poissons, je veux ci, je veux ça. Et après, à mon sens, c'est une manière d'augmenter le niveau, quoi, d'aller dans le mieux en mieux, quoi. Et du coup, on produit du phytoplancton qu'on utilise, qu'on vend aussi. Et pareil pour les rotifères, pareil pour les nopi d'artémia, pareil. Et bien sûr qu'on en vend, bien sûr on en utilise aussi. Ah, ok, ouais. Ouais, c'est pour ça que tu vois, t'as autant. Il y a Cédric qui demande si on peut utiliser de l'eau captée directement dans les salins, dans les salines. Alors oui, il faut prendre l'eau, mais celle qui est la plus, comment ça s'appelle, la plus salée, celle qui va dépasser les 150-200 grammes de sel au litre. Et ouais. À ce moment-là, quand tu fais tes artémias, par contre, tu la redilues de manière à arriver à en gros 30-35 quoi max. Dans le fil de conversation, j'ai vu ça. Ouais, j'ai regardé aussi. Ouais. J'ai pas fait gaffe s'il y avait eu des questions. Je n'ai pas de fil de conversation, moi. Ah, ouais. Tu l'as pas? Ouais. Ah ouais, parce que c'était sur le téléphone, c'est pour ça. Non. Ouais. Je suis puni. Ouais, c'est ça. Bah, après, je regardais. Boris, avez-vous des échanges avec d'autres aquacultures européennes? Oui. Après, tout dépend de ce qu'on entend par là. On a beaucoup d'échanges avec, des éleveurs au Portugal, en Italie, des éleveurs dans le sud de l'Italie, d'algues, pas d'algues. Et franchement, oui, on a beaucoup d'échanges avec beaucoup de monde. Mais le but, c'est déjà des échanges de connaissances. Et bon, celui avec qui on en a le plus, il est au milieu de l'écran, là, il s'appelle Alain. Il est juste là. Mais clairement, le but, c'est d'avancer, quoi. C'est, l'esprit aquaculture est pas mal là-dessus. C'est, il y a vraiment un esprit commun de développer, l'élevage larvaire de poissons, qu'il y en ait de plus en plus, que c'est une raison écologique, etc., éthique. Et ça, c'est plutôt cool. Ah ouais, ça, c'est bien. Pour revenir. Deux secondes là pour revenir pour ceux qui habitent en bord de mer là, donc là je vois à côté des salins, des salines et tout ça dans les roubines, mais les gars allez pêcher, quoi. Vous faites un filet à plancton, avec même ne serait-ce que, alors soit vous achetez de la maille, hein, pour qu'il soit calibré, soit même avec un rideau vous allez pêcher, vous mettez ça, soit vous retamisez après et vous aurez des proies de super qualité, hein. Ah bah c'est honnêtement pour démarrer pour se faire un peu la main, oui. C'est super, hein. Bah, je sais pas si tu te rappelles, il y a 15 ans de ça, on se rejoignait à côté de Sète et on allait dans les marais, et ça pêchait. Il y a surtout une période, je crois que c'est au début du printemps, au milieu du printemps. Printemps là, ouais.
Là, ça explose de partout parce que forcément, les algues avec l'ensoleillement sont présentes, donc les mangeurs d'algues sont là aussi. Et on récoltait, mais c'était magique. Hein. Et Ah là, y a... Ah ouais, c'est génial. Et ça, il y en a partout. Hein. S'il y a des salines vers chez vous. ouais. Dans les roubines, dans les canaux d'alimentation, là, si vous voulez récupérer des copépodes, des rotifères, des 5 états, y a plein, plein, plein de nourriture Ah, vivante. c'est top ça. Hein. Ouais. Alors après, bon, il faut sélectionner, il faut tamiser un peu pour voir un petit peu les tailles que vous voulez, mais oui. Ça serait bien. Hein. Ah, ça se fait super bien. Et disons qu'il faut pas, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas hésiter. Voilà. Ouais. Faut pas avoir peur d'introduire des pathogènes ou dans les salins, généralement, il y a peu de pathogènes, hein, parce qu'il n'y a pas de poissons dans Ouais. les eaux. Voilà. Donc, les Ouais, risques sont faibles. Hein. c'est Oui, vrai. et puis après, de toute façon, tu peux les garder, les rerincer un petit coup avec de l'eau claire et les rincer un coup 24 ou 48 heures. Ça Oui. reste assez clean, les renourrir un petit coup derrière. Et puis, ce qui compte, c'est d'avoir déjà toutes les espèces de copses, quoi. Ouais. Mais toi, tu t'en produisais directement sur les tantôt quand tu étais à Metz. Alors, T'avais installé un bac avec une. Je me on souviens avait de ça. deux bassins devant nous, là. On Ouais. essayait de faire du Et copépode, t'avais mais fait une cascade avec des. on n'a jamais produit en quantité Ouais. suffisamment. Ouais. Et t'étais sur quel copépode à l'époque? En plus, je crois que c'est. Comment il s'appelle déjà? Erythémora? C'est des gros copépodes. C'était des Ok. trucs énormes. Ouais. Depuis, en fait, j'ai fait des pêches sur l'étang quelques fois là, et dans l'étang de Thau, il y a des copépodes qui sont vraiment vraiment petits, vraiment Ah oui, petits. Ah ouais, génial ah ça. ouais, ah ouais. Ouais, c'est à la limite, ouais. Plus c'est petit, mieux c'est en fin de compte. Ah bah Bah, pour oui. nourrir Les toutes petites larves, il Ouais. faut vraiment Des du tout nourrir petits d'une quoi. très petite taille. Ouais. Ouais. Alors quand je dis petit, c'est-à-dire que c'est des femelles adultes avec des œufs qui Ouais. déjà étaient petites et faisaient. Si elle faisait la taille de même pas deux rotifères, c'était un maximum. Donc Ah ça ouais. fait des larves, des nouplies qui sont vraiment tout petits. Oh, ça c'est génial. Ouais. Et Ah, après, il y a tout ce qui est là, cinq états, il y a tout ce qui est rotifère marin. Parce qu'une fois de plus, le rotifère qu'on donne à nos poissons, c'est pas un rotifère marin. C'est un rotifère de saline. Et les poissons sont pas, c'est pas leur nourriture. En fait, les poissons ne mangent, en milieu naturel, ils ne mangent jamais d'artémia, jamais de rotifère. Voilà, on fait juste, nous on les utilise parce que c'est facile à produire. d'accord. Mais Ouais. si on voulait être puriste, il faudrait les nourrir avec du nouplis de copépodes, avec des 5 états. Et là, on tombe sur une nourriture très haut de gamme, mais là, on a vraiment des résultats. Mais c'est inaccessible à l'heure actuelle. Bah, c'est difficile, ou alors il faut être en bord de mer, il faut avoir un pompage en mer, il faut. Bah, c'est Ouais, c'est ceux pas qui donné à travaillent tout en le maison monde, quoi. close, Là, c'est c'est comme ça qu'ils compliqué, travaillent. quoi. Hein. Ouais, c'est super compliqué, quoi. Oui, il faut vraiment être en bord de mer. Ouais, en plus, ouais. Mais c'est pas possible. Enfin, oui, ouais. Bon. C'est pas pour demain que tout le monde va nourrir avec ça, quoi. Ouais, c'est On va exact. rester encore Non. avec l'Artémia pendant quelques temps. Quoique maintenant, c'est vrai que tu as des bonnes gammes aussi, enfin pour nourrir les poissons, tout ça, adultes et tout ça. Alors, Il y a ce en qu'il faut, copépode, il existe en fait des copépodes de cryogénisés pour l'aquaculture. Hein. ouais. Bon, alors là, c'est inaccessible parce que c'est le conteneur. Hein. Il faut les transporter cryogénisés. Hein. Voilà, Cryogénisé, ça donc c'est compliqué. C'est fait en Suède ou en Norvège. quoi. D'accord. Et alors, ce qui est très particulier, c'est qu'une fois qu'on les remet à température ambiante, Ils ils sont vivent. vivants. Ils Ouais, c'est repartent, fou. ouais. 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 Ouais, c'est Ouais, complètement fou. c'est incroyable. Ça. Et Ouais, ça, après. bon, ça pour l'instant, là, c'est Et du coup, pas. tu parlais de Brachyonius plicatilis, c'est ça le rotisseur classique. Mais du coup, nous, on a le type L ici, donc il est plus rond. Toi, tu penses que si on avait le type S aussi, pour faire simple, il y a plusieurs types, quoi. Ouais. Ouais. Et tu penses que ce serait intéressant d'avoir le type S aussi? Alors, il y a les types S, il y a les types L, et donc ça c'est un surplicatilis. Et Ouais. après il y a Rhodontiformis qui est un peu plus petit. Et tu penses que ce serait intéressant d'avoir les trois? Alors les différences de taille sont pas énormes. Et en fait le L tu peux l'avoir en petit, Mmh. mais pas longtemps. C'est-à-dire qu'en fait tu le chauffes à 34 degrés, tu le mets à enrichir à 34 degrés, donc t'en perds la moitié. Ouais. En gros. Mais en Ok. fait, il se reproduit plus vite et en fait, tu as des rotifères plus petits Ok. après dans ton élevage.
Mais ça peut, ouais, du coup, ça peut être intéressant pour certaines espèces. Et après, mais tu peux sélectionner. Oui, bah, avec les mâles, oui, bah, c'est déjà ce qu'on fait. Voilà, non, mais ceux qui ont survécu au 34 degrés en enrichissement, en fait, ouais. tu repères par des petits volumes, hein, et tu mets, tu pipettes une femelle par petit bocal pour les faire pousser. Ok. Et donc, tu en prends 10, tu les laisses pousser, hein, une femelle par bocal. Comme elles sont parthénogénétiques, elles se reproduisent, elles font des femelles qui font des femelles qui font des femelles. Ouais. En une semaine, 15 jours, ton bac, il est plein de rotifères. Et tu remélanges et tu recommences. Et là, tu peux avoir des rotifères de très petite taille. Ouais, il faut avoir envie de faire ça 8 heures dans la journée, quoi. Non, tu passes une petite heure à prendre tes femelles une à une, mais bon, ça marche bien. Mais du coup, pas d'intérêt plus que ça à avoir plusieurs souches, mais par contre, un intérêt à avoir des femelles pour diminuer la taille, quoi. Ouais, si tu veux du rot... Ouais, après, les différences de taille, c'est de l'ordre de 20 microns, je crois. Ouais, 20-30 microns. Si, avec le L, les larges sont larges, généralement, ça fait des grosses bêtes. T'as intérêt à les chauffer pour... Oui, non, mais nous, bah, après, on a un Carcia tonda, donc... Ça rebat un peu les cartes du fait qu'on ait un copépode qui soit plus petit et qui soit disponible à la demande en le mettant à éclore comme les noplis, l'Artemia. On a tendance à se dire que le rotifère, c'est bien pour faire du clown, pour faire des choses comme ça. Puis si on a besoin d'aller dans plus petit, on prend la Carcia, quoi. Et même pour faire du clown, ça les déclenche très bien. Hein. Les noplis de copépodes, ça déclenche très très bien sur les clowns. Oui. Les hippocampes, alors là, c'est typique. Hein. C'est 100 fois plus facile de les faire au copépode que de les faire à l'Artemia. Hein. Ok. Ah ouais, bah, c'est incroyable ça. Ah ouais. Ouais. Bah, tant mieux. Bah, du coup. Alors là, tu n'es peut-être pas obligé de donner du nopli. Hein. Tu peux donner des méthanoplis un tout petit peu plus petit, hein. Ouais. un peu plus gros ouais. Voilà. Mais ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, mais le clown, c'est pour ça que tout à l'heure, tu as dit 7 jours au lieu de 8 jours. Parce que tu as parlé d'Acarcia Tonda et tu as dit on peut le faire en 6 jours. Ça veut dire que tu gagnes 2 jours sur le larvaire? Non, mais normalement, un clown, c'est 6 jours. Hein. Le 6e jour, il commence à métamorphoser. Ouais, j'étais à 8 dans ma tête. Ouais, bah alors, c'est pareil, il faut tu chauffes un peu. Mais ça va plus vite, ça marche. Ouais, voilà, ça va, on a demandé de chauffer la salle larvaire. Là, elle chauffe en ce moment. Ouais. Mais oui, non, j'étais resté sur 8 ou 7, je sais pas pourquoi, j'avais pas 6 en tête. Bon, de toute façon, pas. Mais du coup, de toute façon, ça se passe entre 6 et 8 jours, quoi. 6 et 9 jours. Oui. Et puis, ouais, mais toi, tu pourrais le faire à la Carcia direct, ok. Bon. Ouais, bon, c'est un peu. Bon, c'est un peu donné de la confiance. Il a recochon. Ouais, dis donc, ils sont bien élevés, quoi. Ils ont le luxe. Ouais. Ouais. Mais je pense que pour par exemple, tu disais les hippocampes, hein, tous les syngnathidés, les petits syngnathes, les petites dorhyranthus et compagnie, là, tu les fais au nopli de copépode, ça passe. Hein. Oui, ok. Ça passe. Ah, tu penses que tu peux faire du coryptoictis, des choses comme ça. Coryptoictis, oui. Ah oui. Parce que ça, on a des beaux géniteurs. Hein. Non, ouais, c'est intéressant, j'ai jamais pensé. Tu vas faire un élevage, tu vas te lancer dans l'élevage, Boris. Non, bah moi je veux rester sur les décapodes, mais je pose des questions. Tu vois. Après, c'est vrai que quand tu as des larves de Coryptoictis intestinalis, c'est un poisson intéressant parce qu'il va venir toujours entre les acropora, il va toujours manger le petit parasite, il va toujours faire un bon boulot. Donc, c'est vrai que si tu as des larves, au bout d'un moment, on va être obligé de tester. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Faut s'amuser aussi. Hein. On est là pour avoir des étoiles dans les yeux. Si tu y arrives, tu es quand même content. Quoi. Ah ouais, c'est clair. Il faut tester. Et oui, il faut s'amuser. Voilà, il faut s'amuser. Mais après, ouais, c'est super intéressant. Je pense que de toute façon, dans les années qui viennent, ça va être. Quand je vois la structure qu'au cœur du poisson ont mis en place, ils ont de quoi s'amuser. Ouais, quand je vois la structure qu'ils ont mis en place, ils ont de quoi s'amuser. Et nous, on s'amuse sur autre chose, sur les détritivores. Mais je pense que voilà, ça va être l'éclate. Les prochaines années, ça va être. Des nouvelles espèces, des nouvelles. Je pense que ça va être très très intéressant. Ouais, mais c'est bien déjà d'avoir ça en France, d'avoir MERS. Je te dis honnêtement que c'est le pôle le meilleur d'Europe. Mais vraiment. Ouais. Et puis dans le monde, ça se défend très très bien. Hein. Ouais. Ouais. Bah oui. C'est bien parce qu'ils ont eu l'intelligence de travailler, de se grouper, travailler ensemble. Je parle pour MERS, je parle aussi pour
au cœur du poisson. Et du coup, il y a des bonnes associations qui sont faites. Et on se retrouve avec une puissance qui existe et qui est là, quoi. Et tant au niveau d'avoir des œufs, au niveau de tester les choses. Regarde, Alain est là, il est avec eux aussi. C'est vraiment très, très bien. Ça part d'Alain à la base, hein, tout ça. Hein. Ah ouais. Le mec qui était là. Non, au cœur du poisson, il a fait. Oui, bon, peut-être il est venu chez moi, mais bon. Je ne dis pas au cœur du poisson, je dis tout. L'aquaculture en France, elle a un niveau d'avance sur l'Europe. Parce que tu étais là pour planter la graine il y a 25 ans. Ouais, oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tout ça, ça s'enchaîne. Tu te rends compte, nous, on se connaît depuis plus de 15 ans. Et déjà là, moi, je voyais des poissons d'élevage. Je prenais ça comme une normalité. Mais en fait, on se rend compte que, tu vois, il y a eu du chemin de fait en 15 ans et ce n'est pas encore assez, à mon sens. Donc, c'est parce que tu étais là aussi. Il y a des pays où c'est qu'il n'y a pas du tout de pionniers. Ils commencent seulement maintenant. Oui, alors ça, oui, moi je le vois. Bon, il y a des pays, des fois, ouf, les questions posées, c'est lunaire, quoi. Ils démarrent, ils n'ont personne de compétent et ils démarrent, quoi. Ils n'ont personne qui a essayé. Et oui. Moi, je reviens toujours à la même chose. Essayez, les gars, essayez. Ouais, mais du coup, c'est toi le premier à essayer. J'ai fait plein d'espèces où on était, on a dû être les premiers avec les Plectorhynchus notamment. Oui. Mais parce que j'avais eu des œufs par un aquarium public. Et voilà, on les a testés. Et c'est pas si compliqué que ça. Ouais, mais tu partages aussi. Tu vois, par exemple, tu disais tout à l'heure, les Israéliens, ils nous ont fait beaucoup de concurrence. C'était notre plus gros concurrent. Mais en même temps, quand ils sont venus te visiter, tu leur as tout montré. Tu es quand même dans le partage. Oui, enfin, elle peut tout montrer. Non, pas tout, mais t'as quand même montré. De toute façon, c'était des Israéliens, donc je savais que de toute façon, c'était quand je les. C'était des aquaculteurs, de toute façon. Ouais, c'était des aquaculteurs, et quand je les avais rencontrés, c'était plus pour de la collaboration. Ouais. En fait, il n'y a jamais eu de collaboration. Ils l'ont fait tout seul, quoi. Voilà, ils l'ont fait tout seul, la collaboration. Ouais. Mais en tout cas, tu étais dans le partage tout le temps. Et c'est ce qui fait aussi qu'en France, il y a un niveau qui est si élevé. Bien entendu, il n'y a pas que ça. Il y a Maersk qui a un niveau monstrueux. Il y a Au Cœur du Poisson qui a un niveau monstrueux. Mais au niveau européen, c'est des acteurs, Maersk, Au Cœur du Poisson et tout, qui sont plébiscités par tous les autres pays, et par tous les plus gros grossistes et par tout le monde. On ne se rend pas compte en France. Ouais, c'est vraiment des personnes qui sont très, très fortes dans leur domaine. Même mondialement, on leur demande de bosser avec eux. Donc, on parle de biota quand même, on parle de gens monstrueux, de biota de Young, ce que vous voulez, Bali Aquarish. On a quand même des gens en France. Oui, Bali Aquarish, il suit son petit chemin tout seul et je pense qu'il a besoin de personne, lui. Ouais, je suis pas si sûr. Ouais, à mon avis, il a quand même besoin d'un Français ou deux. Ouais, non, il est ben après, c'est normal, il avance bien, mais bon, regarde les poissons chirurgiens, il a fait un peu de xanthurum, mais pour le reste, il a du mal. Il aimerait bien faire mieux quand même. Hein. Mais bon, il a des super structures, puis il a les moyens, ça c'est sûr que. Et financièrement, il n'a pas besoin de s'associer. C'est ça que tu veux dire. Mais après, bon, il y a des cerfs qui ouvrent partout et tout, et clairement, les connaissances pour l'instant, elles restent quand même en France grâce aux éleveurs qu'on a. Ouais, puis on est sur la bonne dynamique. Là, en France, c'est vrai qu'Au Cœur du Poisson, en quelques années, ils ont explosé aussi. Ah oui. Ouais. C'est Maersk aussi. Enfin, ouais. Franchement. Mais en fait, quand moi j'ai commencé, en fait, on était deux à faire de la production. Ouais. Donc, il y avait l'OTAN de production et il y avait Écurie Marine déjà à l'époque. Ouais. Il ne faut pas oublier Écurie Marine parce que ça fait un moment eux qui font de l'hippocampe. Ah, mais c'est vrai, mais du fait qu'ils soient dans l'hippocampe, c'est vrai que on n'y pense pas. J'avais été les voir chez eux là. C'est des passionnés, ils partent jamais en vacances. C'est un truc de dingue. Quoi, et là, ils ont une nouvelle installation. Oui, j'ai une nouvelle serre aussi. Moi, j'ai vu l'ancienne. Et puis, il y a Jellyfish en aquaculteur. Et il y a Jellyfish sur tout ce qui est. Voilà, ouais. Pour les méduses. J'avais été le voir aussi, Mathieu. Il était partout. J'avais été à Cherbourg. Là, c'est... Ouais. Et du coup, j'avais été le voir. Il m'avait fait visiter et tout. Et, Mathieu, dans ses productions, c'est un pôle mondial. Hein. Ouais, bah oui, c'est clair, ouais. Bah oui, mais c'est intéressant. C'est sûr qu'après, bon, il a beaucoup d'aquariums publics, beaucoup de voilà, c'est sa clientèle, c'est beaucoup aussi des professionnels. Moi, mais c'est français quoi. Ouais, c'est grâce à lui. J'avais ces méduses chez moi. Les Orita là, mais bon, c'est une durée de vie, je crois, c'est 10-12 mois, je crois que... Donc c'est vrai que là, j'en ai plus quoi. Mais c'était sympa quoi. Mais c'est vrai que c'est cool, tous ces gens là. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Il y a un beau, il y a un joli pot l'aquaculture en France. Voilà. Ouais. C'est la conclusion du Du live.
Oui, ouais, non, mais alors il y a un joli pôle, et puis il faut qu'il continue à se développer. Et puis moi, je le redis, essayez, essayez. Tout ce que vous avez, essayez. Ouais, c'est clair que... Et puis, une bino, il vous faut une bino, une poubelle, et vous faites de, vous faites de l'élevage. Non, mais ça, je dis ça sous forme de boutade, mais j'en suis pas loin. Ouais, moi, oui, j'ai déjà vu des poubelles fonctionner très très bien. Ah ouais. Ah ouais. Mais après, il y a tout. C'est un contenant, une poubelle. Hein. Ouais, ah. Oui, de toute façon, que ce soit une vitre ou du plastique, le poisson, il va te regarder, il s'en fiche pas mal, quoi. Ouais. Mais. Après voilà, moi j'espère. Enfin, pour faire simple, on tente quelque chose qui. Alors pour expliquer un peu le projet du larvaire, nous on tente quelque chose en eau noire, c'est-à-dire dans une eau plutôt sombre, à 40 lux, enfin dans des pièces pas trop éclairées, mais pas en eau verte. Donc on n'est pas en mésoqueuse, on est vraiment sur un circuit qui est ouvert. Donc ça se fait pas trop. Il y a pas trop de gens qui font ça, mais ça a le gros avantage pour les décapotes de maîtriser sa qualité d'eau, d'avoir zéro nitrate, zéro phosphate, d'avoir une qualité d'eau toujours stable. Par contre, il faut ajouter des proies riches rapidement et les chasser rapidement aussi pour que, comme dit Alain, elles ne soient plus là au bout de 6-8 heures. Donc, c'est une technique un peu différente dans laquelle on s'aventure, mais j'espère qu'on aura des bons résultats. Puis, si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas, mais au moins on aura essayé, comme dit Alain, au moins c'est essayé. Ouais, ouais. Il y a de l'expérience. Oui. En gros, il y a trois techniques. Il y a la technique la plus simple quand on habite en bord de mer, hein, donc c'est le mésocosme. Ouais. On rentre de l'eau de mer à peine filtrée, hein, à 150 microns, l'eau de mer brute. On met de l'engrais dedans et on laisse pousser. Donc, il va pousser l'algue qui est rentrée, il va pousser les copépodes, les rotifères qui sont rentrés. Toute la chaîne alimentaire. Voilà, toute la chaîne alimentaire. En gros, on laisse pousser 15 jours, 3 semaines. On regarde ce qui se passe. On regarde s'il y a beaucoup de comment ça s'appelle, de proies vivantes. Et en fonction, on met des œufs. Hop, vous balancez les œufs. Alors là, pour qu'il tourne tout seul sans rien faire, c'est un œuf au litre. Donc, dans un mètre cube, vous mettez 1000 œufs. Mmh. Voilà. Et ça, et les 15 premiers, 3 premières semaines, vous faites rien. Ça va pousser sur le milieu. Et les poissons vont pousser sur le milieu. Et vous commencerez à nourrir à l'Artemia un peu plus tard. Ça, c'est beaucoup ce que fait Bali Aquarish. C'est Bali Aquarish. Ouais. Après, il y a la méthode en eau verte. Donc, la méthode en eau verte, c'est on remplit avec un bac avec de l'eau de mer, par contre, la filtrée. On l'enrichit avec des algues dont on connaît l'espèce. Généralement, une algue verte, hein, une nano. Les nanos, ça pousse très bien. Ouais. On met les larves et dès qu'elles ont la bouche ouverte et qu'elles sont capables de manger, on les nourrit. Et donc l'eau verte sert à deux choses, donc assombrir le milieu pour pas qu'elle soit trop éclairée, pour pas qu'elle soit ébouillie, on va dire en gros, et aussi pour faire un espèce d'effet brouillard de manière à ce que quand la larve se déplace, elle ne voit qu'une proie, elle tape cette proie et elle passe à une autre proie. Voilà. Parce que s'il y a pas les algues, en fait, elle voit plein de proies et c'est toujours le problème du choix. Et donc, elle va aller sur un, puis sur l'autre, et puis en fait, elle va changer de route, elle va se déplacer beaucoup plus, elle va dépenser en fait beaucoup plus d'énergie à chasser que quand elle est en eau verte. Et donc, l'élevage en eau noire, entre guillemets, c'est donc là, c'est de l'eau de mer filtrée, mais par contre, là, on joue sur la lumière de manière à avoir un éclairage super bas. Ouais, et donc, pour ne pas ébouillir les larves. Voilà. Bah, moi, j'y vois un intérêt, c'est que dans les deux premiers systèmes, on ne peut pas trop maîtriser la qualité d'eau. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dépendant de la respiration du phyto, de la photosynthèse du phyto, donc ça peut influencer sur les variations de pH. Et on est quand même dépendant qu'au bout de 3 semaines, s'il y a eu un développement bactérien ou autre, on peut avoir des variations de carbonate, d'iode, on peut avoir des taux. Et en fait, moi, ce que je vois comme avantage à gérer ça en circuit eau noire, c'est que nous, on a nos écumeurs, bah, tu vois, on a filmé la salle, il y a l'écumeur, il y a le micro-bag, on fait un test ICP, on fait des ajouts, et en fait, on maîtrise ça comme s'il y avait des acroporas, d'ailleurs, il y en aura, mais le but, c'est d'avoir une qualité d'eau parfaite. Et ensuite, on vient nourrir nos larves et tout. Donc nous, on le voit comme ça, parce qu'on a l'habitude de gérer des qualités d'eau pour nos coraux et tout ça, et on se dit que c'est la meilleure voie, mais sûrement qu'on se trompe, ça, et puis sûrement qu'on va changer d'avis. En fait, c'est une question d'habitude et d'expérience. Parce que bon, moi, je trouve que les mésocosmes, c'est super facile à gérer. Bah, super facile, ça se gère. Voilà, ça se gère. Et alors, le gros avantage d'un mésocosme, c'est que tu as souvent des résultats. Alors, pas forcément des rendements énormes,
mais tu arrives à avoir du résultat. Ouais. Bah, la mésocause, ou élevage en ouverte, hein, je parle. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est, j'opterais pour l'élevage en ouverte si là on fait rien et qu'on n'arrive rien à produire, on partira sur l'élevage en ouverte. Mais alors, j'aimerais bien quand même qu'on y arrive comme ça, quoi. Moi, j'ai fait il y a 2 ans, là, on a fait quelques centaines de free money comme ça pour s'amuser, hein, pour voir comment ça se passait. Ouais. En eau noire, hein, donc sous éclairage contrôlé et tout ça. Ouais. On ajoutait quand même un petit peu d'algues pour donner l'effet brouillard. Ok. Et ça, voilà, mais au lieu, en normal, on est à 10% en algues, hein, tous les jours. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et là, on était à 1%. Ok. 1 litre pour 100 litres. Ok. Voilà. Et là, franchement, petit éclairage, mais aussi petit éclairage 24 heures sur 24, avec encore une baisse d'intensité la nuit, vraiment une veilleuse, quoi. Ouais. Et en fait, au moins sur les 6 premiers jours, là, il se gave et il pousse vraiment, vraiment bien. Bah, je pense qu'on va en tenir compte, hein. Après, tu me disais pour les décapotes, c'était moins important quand même. Ouais, les décapotes, non, les décapotes, ils cherchent à manger tout le temps. Donc, ils sont tout le temps en train de brasser et attraper des rotifères. Bah, c'est pour ça que ça me rassure aussi dans le système. C'est-à-dire que le décapote est moins sensible à ça, mais il est plus sensible à la qualité d'eau. Oui. Du fait que ce soit un invertébré. Donc, moi, notre système, en traitant l'eau un peu comme pour les acropora et tout, j'ai tendance à me dire, bon, dans le cas des décapotes, ça a l'air de quand même bien coller avec le concept. Ouais. Donc, on verra ce que ça donne. Hein, mais bon, le plus dur, en fait, c'est de ne pas ajouter le phyto quand on va ajouter les rotifères et quand on va ajouter les. Et surtout, comme on l'ajoute de manière automatique, vu qu'on veut le faire tous les 2 heures, c'est vraiment qu'il y a un rinçage du phyto fait automatiquement avec des pompes doseuses. On est vraiment sur ce système, quoi. Mais j'ai hâte qu'on mette ça en place. Ouais, c'est sympa, ouais. Bah, écoute. Ouais. Ça donne, hein. Ouais, bah, on verra. Après, ça, il s'attaque, quand même à des animaux, bon, comment ça s'appelle, les lismata, autant les Gardemani, Radunae, tout ça, c'est facile, c'est facile. Oui. C'est rapide. Oui. Autant les Ambonensi, c'est pas la même, hein. Ambonensi, c'est 100 jours. C'est Debellius. Debellius, les dernières études scientifiques qui ont été faites et qui ont été publiées, il y a des personnes qui ont réussi à faire du 60 jours avec du 20% de réussite. On est sur des larvaires comme ça. Et puis l'autre, c'est 100 jours. 100 jours sur les smata Ambonensi. Maintenant, là où j'ai bon espoir, c'est que pour nous, garder une qualité d'eau parfaite de 60 jours, c'est pas un problème. Oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Du coup, quand je vois les études scientifiques qui ont été faites sur l'ismata Debellius et que le résultat a été discuté parce que ben, on a fini avec beaucoup de nitrate, 30 mg, 40 mg par litre, et peut-être que ça a bloqué les dernières mues, etc. etc. Moi, je suis persuadé que oui, pour l'avoir fait il y a 15 ans en aquarium public, il faut une qualité d'eau parfaite si tu veux que les mues se déroulent correctement. Mais il peut y avoir plein de choses qui influencent, hein, le dosage et tout, bien sûr. Mais je veux dire, nous, ça ne nous fait pas peur de partir sur du 60 jours, du 80 jours, du 100 jours. En tout cas, nous, la qualité d'eau, on la tiendra, quoi. Maintenant, écoute, peut-être que je dis ça maintenant et que dans 2 ans, j'aurai une toute autre vision et j'espère que j'aurai une autre vision, c'est qu'on aura appris, quoi. Ben oui. Il y a aussi le fait qu'elle ne métamorphose jamais, hein, parce que ça, on l'a déjà eu aussi. Hein. Mais ça, normalement, ce qui bloque la métamorphose, c'est manque de nourriture, mauvaise qualité alimentaire. Mmh. Alors, je parle de la qualité, je ne parle pas de la quantité. Hein. Mauvaise qualité alimentaire. Et manque d'iode. Ouais. L'iode, ça, l'iode, c'est l'élément qui est important pour la métamorphose. Mais même quand on le faisait il y a 15 ans au Cap d'Agde, on a fait de la lismata donc avec Sophie Pignot. Je sais pas si tu te rappelles bien de l'époque. On était et on avait branché le larvaire de crevette sur les batteries coraux, ouais, dans le but de récupérer tout ce que les coraux pouvaient avoir de bon à amener, tant en épuration d'eau qu'aussi en mucus, etc. Et les résultats étaient meilleurs à chaque fois avec une eau destinée aux coraux. Alors, soit parce qu'il y avait des molécules dedans, soit parce qu'ils épuraient, soit c'est multifactoriel, hein, il y a 1000 facteurs différents. Mais je veux dire, il y a toujours eu ce côté-là. Donc là, nous, dans la serre, il y a aussi des coraux et des algues qui vont être mis, peut-être dans l'idée de se dire, bah ouais, mais ça a aussi son intérêt, quoi. Ah, mais peut-être. C'est sûr que ça a son intérêt. Donc, oui. Une des forces qu'on avait à l'automne, hein, quand même, c'était notre bassin, notre filtre, en fait, qui était un lagunage. Hein. Et là, il y avait un équilibre biologique dans ce système qui faisait que ça se passait bien.
C'était, alors pour remémorer un peu pour les gens, c'était un bac tout en béton qui faisait un M ou un U, je sais plus. Un E. En un fait. E, voilà, oh, bah, un M, ouais, un E. Ouais. Mais ouais, il faisait bien 2 mètres de large. Ah, ça faisait 24 mètres carrés en tout. Il y avait 24 mètres carrés, puis à chaque fois que j'arrivais, je vois Alain qui était pieds nus dedans en train de marcher. Tu te rappelles ? Et t'avais un gros poisson, un gros lutjan qui nettoyait tout. Ouais, ouais, ouais. Et un gros, alors non, c'était un gros Siganus. C'est un Siganus, oui, oui, ouais, c'est un Siganus. Il était beau celui-là, il était sympa. Ouais. Non, mais c'était vraiment, ah, c'était bien de venir, c'était marrant, moi j'aimais bien. C'était où déjà ? À Metz ? C'était à Metz. Ah, ok. Sur les Tantos, quoi, vraiment côté de Sète. Il y avait, on avait quelques coraux, bon, un peu. Ouais, t'avais des mais... colastrées à jaune, t'avais des fougias. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, il y avait quelques trucs, ouais. Bah, on a commencé l'automne avec du. Comment ça s'appelle? Avec du Xenia. Hein. Nos premières ventes, c'est le Xenia. Hein. Et on en faisait des kilos de Xenia dans ce bassin. Ah, bah, ça pousse bien, hein, la Xenia. Mais c'est vrai que c'était super intéressant. Et l'automne, c'était vraiment une boîte assez magique par rapport à ça. Après, c'est sûr qu'avec le recul, on regarde et puis qu'on se dit, bon, bah, maintenant, avec la science, avec les pompes doseuses, avec ci, avec ça, il y aurait plein de choses à faire différemment. Mais à l'époque, je changerais plein de trucs. Mais ouais, ouais. Ouais. Mais parce que maintenant, on a l'expérience aussi. Mais oui, c'est pour ça. De la serre, du... Ouais, ouais. Ouais. Mais déjà, à l'époque, tu étais en circuit ouvert quand même. Alors que quand tu prends Pro Aquatics, c'est plus. Ils étaient que en. Ouais, mais Pro Aquatics, par exemple, ils sont que en mésocosme de 5 mètres cubes. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Toi, tu avais quand même ton circuit d'eau qui alimentait tous les bacs. Ouais, alors on faisait de temps en temps, on faisait des petits mètres cubes et demi en mésocosme pur. Mmh. Hein, des bassins d'un mètre cube et demi. Justement, quand on a fait toutes les espèces où on avait des œufs, on ne savait pas ce que c'était. Ouais. Donc, à Émulon, Plectorhynchus, Platax. Okay. Donc ça, on les a fait en mésocosme. Ok. Ouais, donc là, c'était que quelques petits trucs. Déjà là, il y avait plusieurs types d'aquaculture, quoi. C'est marrant. Ouais. On n'en voit plus, pareil, des platax à vendre. Ouais, mais c'est pas adapté aux aquariums. C'est pas vraiment adapté. Trop gros, faut 6000, 7000 litres, hein, à mon sens. Ouais. Hein. En dessous, ça devient trop gros, quoi. Ouais, le platax. Ouais. Ouais, le platax, ça fait partie des espèces où quand même, quand tu pars le vendredi, que tu reviens le lundi, que tu les regardes, tu te dis, ah, ils ont grossi. Ça, c'est tellement ça va vite. Ah, ça va vite promets. En plus, ouais. Ah oui, ça va très très vite. Bah déjà, t'as vu la taille des œufs. Oui, oui, les œufs sont énormes et en 3 mois, t'as des bestiaux qui font, allez, 8 cm, 10 cm. Ah ouais. C'est énorme, ça pousse super vite. Super vite. Ouais, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour. Enfin, c'est facile à faire, entre guillemets, mais le problème, c'est. Voilà, c'est, tu ne peux pas conseiller ça sur des aquariums. Mais c'est vrai qu'avant, je crois qu'on en voyait plus à vendre. Il y a peut-être. Avant, ouais, oui, oui, il y en avait, ouais. Ouais, peut-être par méconnaissance. Mais... Ouais, peut-être, parce que tu sais, ils les vendaient petits. Et ils les achetaient sans savoir que ça allait devenir énorme, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, ils sont plus jolis quand ils sont petits, là, parce qu'ils ont. Après, c'est tout marron. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas le plus malin des poissons, hein. Non. C'est pas, tu sais, autant tu prends des naseaux, tu vas avoir des chirurgiens qui sont attachants, ils viennent vers toi. Ouais. Même les diodons, c'est super attachant, quoi. Diodons, mais tu prends le platax, bon, ça s'est tourné autour d'un caillou. Si, il faut le prendre, faut le prendre en début d'année, le faire grossir, et puis pour Noël. J'étais sûr que t'allais le bouffer tôt ou tard. Je suis aquaculteur à la base. Hein. Moi, je fais du bar, de la dorade. Oui, exact, j'avais vu ça, ouais. Bah, oui. non, mais t'as raison, mais c'est vrai que bon, c'est. Bah, t'as le platax, non. Pour ça, hein. Ouais, bien sûr. Bah, même les concombres, même les. Les bénitiers, regarde les bénitiers qu'on a, c'est une sélection sur les bénitiers de bouche en fait. Ouais. Et on va avoir les bénitiers les plus jolis qui sont vendus à l'aquariophilie, mais en vrai ça représente 1% des bénitiers qui sont produits. Et bah alors je parle pas des nouveaux bénitiers qui viennent de mer Rouge, ça c'est encore différent, mais je parle surtout ceux qui viennent de Polynésie ou autres et qui sont destinés à l'alimentation. Et c'est normal, il y a le marché de l'alimentation qui est présent. Et après les plus beaux spécimens, si ça intéresse les aquariophiles, bah parti. Ouais. Hein. Ouais, je revois un commentaire de Cédric là. Il demande quelle espèce de Méditerranée on pourrait mettre dans un aquarium de 800 litres. Alors, il y en a plein. Le problème des espèces de Méditerranée, c'est qu'en hiver, il faut que ça soit froid. En été. Sinon,
Non, non, en été, oui, en été, il ne faut pas que ça monte trop, mais surtout en hiver, il faut tomber la température. Ah oui. Parce que sinon, elles ne passent pas le printemps. Il leur faut une période de froid hivernale. Après, Donc, tu as une ou deux espèces qui sont en dessous de la Thermopyle, les bécasses, les sangliers, les trucs. Mais Ah, bon. tu gardes toujours en froid, là, à ce moment-là. Ah oui, mais c'est ça, c'est que tu dois être en permanence. Puis attention, pas un petit groupe froid sur 800 litres, il faut envoyer le plus costaud de la gamme, Ice 3000. Hein. Mais ouais, bon, après, il y a les espèces lepsiennes hein, qu'on va récupérer hein, en Méditerranée, mais bon, elles sont grosses. Hein. Après, en coraux, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est vrai, il y a Toupet qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'aquarium de Banyuls, ce qui est juste magnifique. Oui. Et là, il montre les invertébrés. Il y a beaucoup d'invertébrés qui existent en Méditerranée. Maintenant, tu n'as pas le droit de les prélever. Il faut un permis pour ça. Et après, il y a les Corynactis et tous les anémones bijoux qui se ressemblent à des petits oanthus. Il y a des trucs magnifiques. Ouais, c'est clair. C'est magnifique, mais il faut maintenir les températures, quoi. Il Ah faut. oui, ah bah, bah oui. Là, Puis c'est faut nourrir, hein. C'est hétérotrophe quand même, hein. Ça aime bien la nourriture. Et après, tout à fait. en poisson et tout, il y a quand même pas mal de poissons, mais Il y a plein ah, de je pense poissons, que mais c'est quand bon. même compliqué. Les eaux froides, c'est quand même compliqué. C'est des animaux qui vivent de manière spécifique. C'est pas comme le récif, quoi. Ouais. Je pense que c'est plus compliqué de tenir Ouais. un beau bac méditerranéen qu'un Oui. récif. Ah bah Ouais. oui, puis quand tu vois le bac qu'ils ont à Banyuls en invertébré méditerranéen, mais c'est impossible. En fait, la difficulté de cet aquarium est juste incroyable. C'est pour ça que c'est un des plus beaux bacs, je pense, en invertébré d'Europe. Hein. Mais en plus, c'est parce qu'il est en eau froide, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est trop difficile. Faut nourrir, faut tout gérer. Enfin, c'est une galère. Non, on se plaint de maintenir des acroporas, que c'est difficile, mais il y a pire. Hein. Ah Il y a ouais, c'est pire, vrai, on ouais. ne se rend pas compte. Puis après, il y a peut-être moins de connaissances aussi, on en parle moins, il y a peut-être moins de choses là-dessus. Ah, pourtant, il y a pas mal d'études qui sont faites, notamment en Ouais. Italie et tout, sur le taux de prédation des polypes, même sur Corallium rubrium, le corail rouge, le taux de prédation des polypes, les vitesses du courant, etc. Il y a quand même pas mal d'études, on peut en trouver. Je pense pas que ce soit vraiment le. Enfin, c'est juste qu'en fait, du fait que ce soit pas dans le commerce, que c'est inaccessible, il faut aller le prélever tout seul et c'est pas légal, quoi. Donc, Ouais, en plus, ouais. à partir de ce moment-là, ça s'arrête. Le système, il s'arrête, quoi. Mais par contre, des connaissances, il y en a. C'est juste que le réseau n'existe pas et il n'est pas prêt d'exister. Honnêtement, la Méditerranée est très bien protégée, ça va continuer, je pense. Ouais. Ça, c'est Alors sûr. Alain, je ne sais pas ce que tu en penses de la protection de la Méditerranée. Moi, je trouve que c'est plutôt mieux protégé que les pays tropicaux, même. Ah, c'est plus. Bah, en fait, c'est plus surveillé, surtout. Oui. Il y a plus de règles et c'est plus surveillé. Ouais. Donc, il y a les deux. Mais bon, de toute façon, c'est vrai que ça va être de pire. C'est vrai que même sur les, comme tu disais, sur les récifs, tout ça, ça va finir aussi, ou ça va devenir plus compliqué pour eux aussi à un moment, avec tout ce qu'on voit, tu sais, comme tu disais, pour les poissons sauvages, ces choses-là, il va y avoir des quotas, des choses comme ça va aller dans ce sens-là, de toute façon. Oui, c'est pas que ça va aller, ça y va. Ouais, ça y Oui. va. Vous l'aurez pas, vous Ouais. l'aurez pas, ça y va. C'est du court Et terme, hein. On parle en court terme, hein. On parle de on quelques parle sur quelques années, années. 2, 3 ans, quoi. Là, Façon, c'est-à-dire après, que là, on en parle, mais ça va aller très très vite quand même. ouais. De toute Ça façon, va tomber après. d'un coup, tout le monde va être surpris, mais en réalité, non. Ça arrive, quoi. Déjà, on a la chance qu'on pourra encore avoir des poissons, justement, grâce à l'élevage. Ah bah oui, ça, oui, quoi. oui. Ouais. Mais Parce que après, sinon, bon, on c'est n'aura vrai pas qu'il de n'y aura pas poissons tous les déjà. poissons, mais. Ouais, ah bah c'est sûr que ça va être, mais bon, quand tu vois la vitesse que ça va quand même, tu sais, au niveau, on arrive à faire de plus en plus de poissons, donc c'est ça qui est bien, quoi. Toi, au fur et à mesure, Ah oui, tout à fait. on va avoir de plus en plus, quoi, avec les années à Oui, venir. puis ça, en fait, la réalité, c'est que s'il y a des quotas qui arrivent sur les poissons sauvages, enfin, c'est pas s'il y a, c'est lorsqu'il y aura les quotas, Ouais. ça va, en fait, ça va booster les éleveurs, en fait. Ouais. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, c'est-à-dire que Ouais. tout de suite, les éleveurs vont se retrouver avec une forte demande Ouais. à laquelle ils vont pouvoir d'abord réagir, ils vont vite aller, et en fait, ça va leur donner des moyens qui seront bien plus grands. Ouais. Et ça leur Ouais, permettra de pouvoir faire plus et faire plus Oui, d'espèces, plus en quantité. exactement, exactement. Donc en fait, les quotas, c'est bien. Moi, je suis content qu'il y ait déjà des structures qui soient en place. Parce que quand les quotas vont arriver, en fait, ces structures, c'est elles qui vont réagir et c'est elles qui vont permettre de continuer, en fait. Ouais. Donc au cœur du poisson, mers, voilà, comme on en parle, mais il y a d'autres éleveurs. Hein, mais Un voilà, peu comme c'est. on a eu avec les coraux d'Indonésie que ça avait fermé du jour au lendemain, quoi. Bah Oui, c'est ça. ça, voilà. Voilà. Mais pour les poissons, on n'en est pas loin. On n'est pas loin, ouais, tu vois. Mais. Ouais. Bon, après, normalement, c'est vrai Je que vous abandonne 2 minutes.
Et je reviens. Ouais, mais c'est vrai que même après, quand tu vois les poissons, bah, normalement, une fois qu'ils sont dans ton bac, bah, après, tu les as pour 15 ans, quoi. Oui, après, c'est sûr que les poissons, la durée de vie est très longue. La durée de vie des poissons en eau de mer est très longue. Donc, c'est pas quelque chose qui va être changé souvent. Mais tu peux pas empêcher qu'il y a quand même, par exemple, il y a 1000 nouveaux aquariophiles par an, etc., ça, ouais. etc. Et puis après, bah, tu as des poissons qui meurent de vieillesse aussi. Il y a des gens qui ont des poissons depuis très longtemps. Il y a des nouveaux aquariums. Il y a des gens, ils ont un aquarium, ils veulent faire plus grand. Donc, ils prennent des nouveaux poissons. Donc, il y a toujours de la demande dessus. Et c'est quelque chose de bien. Mais voilà, pour l'instant, le 20-80, on va dire, donc c'est les 20% des espèces qui représentent 80% du marché, ça commence à être bien maîtrisé. Donc déjà, le poisson clown, les Coderni, les Splendidus, les Gramma loreto, les Pseudochromis friedmani, des Centropiges, tu commences à avoir quand même une variété et une offre qui est intéressante. Le problème qui reste, c'est les chirurgiens. Les chirurgiens, ça reste un problème parce qu'en fait, même si Bali Aquarish a fait un peu de Xanthurum, on se retrouve quand même avec les flavescences qui ont été réussies que par une entreprise, par Biota, enfin du moins qui ont été commercialisées que par Biota, et on se retrouve avec les hépatus, c'est la même chose. Donc en fait, on se rend compte que les chirurgiens, on met du temps à tout comprendre comment ça fonctionne et on met du temps à avancer dessus. Donc, c'est ça le plus gros problème. Ouais. Quand les chirurgiens seront maîtrisés… En plus, il y a de la demande pour ça, je suppose. Bah la demande est énorme sur les chirurgiens. Ouais, c'est forcément. Clair. Là, demain, les hépatus d'élevage… Enfin, faut que tu t'imagines, on a des clients, beaucoup, qui veulent faire des bacs 100% d'élevage. Et on les comprend, ça va. Et en fait, ils nous disent, bah voilà, bon, ils prennent du sable, ils vont partir en pierre soit morte de carrière, soit en artificiel, en aquaroche, etc. Ils lancent leur aquarium et ils arrivent à un moment, ils disent, bah voilà, j'ai mes poissons, j'ai mes coraux. Il me manque les détritivores et il me manque les chirurgiens parce que les chirurgiens, à l'heure actuelle, si tu en veux, bah, y a pas de chirurgien d'élevage pour l'instant. Ouais, c'est sauvage. Ouais, c'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué les chirurgiens et le vrai déclic aura lieu quand tous les chirurgiens, au moins les chirurgiens intéressants, voilà, qui vont être les plus vendus. Mais tu as l'hépatus, bien sûr. Ouais. Le leuco, t'as le flamme. Le leuco, il sera moins sensible au point blanc en élevage qu'un sauvage. Le leuco, si jamais en élevage, c'est un élevage français qui le fait par exemple, et qui mange du granulé à la main et qui sont tout cool à venir vers toi, ils n'ont pas de raison d'être stressés comme dans le milieu naturel. Stressé, ouais, voilà. Après, on verra. Ouais. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Ouais. Le problème des chirurgiens, de tous les chirurgiens en fait, c'est qu'eux, ils misent sur la quantité d'œufs qu'ils produisent. Ouais. Contrairement, par exemple, aux amphiprions, eux, ils misent sur la grosseur des larves à l'éclosion. Ah, peu d'œufs, mais très gros. Ah, okay. Alors que les chirurgiens, eux, ils font l'inverse. Très petits, mais très, très nombreux. Et donc, en fait, on se retrouve avec des larves très, très petites. Très petites. Peu de réserves. Donc, il faut qu'elles puissent manger très rapidement. Petites, donc plus dur à nourrir, c'est ça? Beaucoup plus dur à nourrir. Ouais, ouais. Plus, plus les larves sont petites, plus c'est compliqué à nourrir. Quoi. Ouais. Du coup, tu en penses quoi, toi? Pourquoi Bali Aquarish a réussi le Zebrasoma Xanthurum et pourquoi il n'y arrive pas sur le Zebrasoma Flav? Mais pour. peut-être qu'il a des flammes. non. Peut-être qu'on les a pas les flammes, voilà. Mais le Xanthurum, ouais. Donc c'est les mêmes variétés. Il a peut-être plus travaillé. Et en fait, bon, Bali Aquarish, il a des grands bassins, hein, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que je comprends. Et voilà, c'est des très grands bassins. Il met les œufs. Et en fait, ça pousse tout seul dans ces bassins. Ouais, tout à fait. Donc, c'est extensif. Hein. Donc c'est extensif. Voilà, c'est, je dirais, c'est pour lui, c'est facile. C'est un peu comme si moi, je faisais de la dorade ici en extensif. Quoi. Mmh. Donc, c'est pas très très compliqué. Quoi. Donc à partir du moment où il a les géniteurs, les œufs, à mon avis, il arrivera à sortir à peu près n'importe quoi. Tout ce qu'il veut, quoi. Oui, du fait que la taille du bassin permet d'avoir toutes les proies qu'il faut pour. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça, mais c'est vrai que moi je reçois ces stocklists tout le temps et pour l'instant j'ai pas vu. Non, t'as pas vu de flav. Ouais, peut-être que pour l'instant, hein,
soit il a pas les repros, soit il y a un truc qui bloque, soit je sais pas. Bon, tu prends le Xanthurum, déjà au niveau comportement de l'adulte, c'est pas le même que le flamme. C'est pour ça que je te disais peut-être donc, qu'il y a une différence sur la taille de peut-être que la larve elle est plus agressive déjà d'entrée. Ouais, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Le Xanthurum, il est plus agressif déjà. Ouais. Ouais. Et puis c'est pas la même région. C'est surtout ça. Fait que d'un côté, t'es bloqué en mer Rouge depuis X temps, et de l'autre côté, t'es bloqué en Hawaï depuis X temps, quoi. Ouais. C'est assez dingue d'ailleurs que les chirurgiens soient aussi endémiques d'un endroit, quoi. Ouais. Mais ouais, moi, enfin, nous, en petite taille, on a du Xanthurum, et puis avant, on avait les flaves, mais on a pas trop de ça, mais on a des chirurgiens, enfin, des flavescences qui coupaient les autres en deux, et on avait aussi des Xanthurum. Mais je pense même que plus loin que l'espèce, il y a aussi l'individu, quoi. Tu vois, t'as vraiment la notion d'individu sur des gros chirurgiens qui fait que tu peux avoir un gros chirurgien complètement barjo. Nous, on a des gens, ils nous racontent, ils ont des hépatus, mais ils prennent les Bernard Lhermitte, ils vont les jeter dans les pompes. c'est vraiment l'individu, parce qu'on a des hépatus super sympas aussi. Ouais, et on a tendance à se dire, voilà, faut réfléchir aussi sur les notions d'individu, quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est comme les chiens, quoi. Bah ouais, mais on peut avoir un géniteur, on peut avoir des géniteurs de flave. Super sympa, et des géniteurs de flave agressifs, je sais pas. Mais après, est-ce que ça influence les larves? Je pense pas. Et votre amphiprion, vous le garderez plus longtemps que votre chien, à titre indicatif. Ça vit plus longtemps, Ça vit beaucoup plus longtemps qu'un chien. Putain, il y a le record, là. C'était combien, tu me disais, le record? Alors, je sais pas si c'est un record, mais... c'est pas loin, à mon avis. L'aquarium du Canet, donc, ils ont élevé des poissons en 84, des ocellaris en 84, et au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours vivants, là, et ils continuent à pondre. Ils fêtent leur 39 ans. Ouais. Et bon, la dernière fois que je les ai vus, ils étaient plus très jolis. On voyait qu'ils étaient bien, bien vieux. Mais bon, c'est des papy clowns. Les papy clowns. Ouais. Bon, 39 ans, les papy clowns. Non, 39 ans, c'est beau quand même. Ouais. Moi, j'ai bon, normalement, c'est 18-20 ans. Ouais, un couple de clowns que je balade depuis une quinzaine d'années, tu vois. Et je les ai depuis 15 ans, ouais. Ouais, je me dis, tiens, ils sont peut-être, tu vois, ils vont arriver, mais non. Ils vont t'enterrer, t'inquiète pas. Ils vont rester. Ouais, après, t'as des poissons. Comme là, le gobiodon, on me disait 10 ans. Et moi, ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai. Et encore, on m'a dit max 10 ans, quoi. Le gobiodon, quoi? Ouais, le. Istrio ou Okinawa? Okinawa? Ouais. Ouais, ça fait 10 ans que tu l'as. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah ouais, parce qu'on m'a dit que c'était pas possible. Enfin, et après, en captivité, tu vois des choses qui n'existent pas dans le milieu naturel, entre guillemets. Ouais, bah oui, bah, ça serait déjà fait bouffer. Ou... enfin, dans le milieu naturel, j'ai jamais vu de... Enfin, j'ai jamais vu en même temps. Ouais. C'est tellement grand. Mais les moyennes d'âge, autant en taille maximum, tu en observes des vraiment balèzes sur des espèces en milieu naturel. Quand tu vas sur Fishbase ou autre, tu le vois. Mais en longévité, on a quand même... J'ai toujours l'impression que les aquariums publics ont des vieux poissons, tu vois. Ouais. Bah parce qu'ils sont super bien nourris, déjà, ils sont ronds comme des ballons. Ouais. Et puis au niveau prédateur, bah, ils font des bons choix, ils vont pas mettre des prédateurs là où il y a des... Ouais. Donc, automatiquement, ils durent plus longtemps, quoi. Ouais. Et puis, mine de rien, ils ne sentent pas si mal que ça dans les aquariums publics, parce que bon, si t'as le stress qui se met par-dessus, bon, ben, tu... Oui, au bout d'un moment, le stress, ça joue sur la durée de vie. Et là, si les poissons vivent longtemps en aquarium, c'est que, ils sont bien habitués, bien adaptés à l'aquarium, hein, qu'il n'y a pas de stress. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir la bonne population dans son aquarium de poissons qui s'entendent bien. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de rajouter un nouveau poisson, surtout si ça fait 10 ans que tu as tes poissons, que tu as un décès, que tu veux le remplacer. Le problème, c'est quand tu as un équilibre dans un bac. Surtout, moi je vois des problèmes de couleur. À chaque fois qu'on me demande est-ce que je peux mettre un Xanthurum, vous avez des poissons, vous avez quoi? Et en fait, je réfléchis par morph. Bon, alors, s'il y a déjà un zébrasoma, tu t'inquiètes un peu. Ouais. Et par couleur aussi. Parce que mine de rien, t'as des poissons qui vont détester la même couleur qu'eux, et t'as des poissons qui vont détester le même genre qu'eux ou la même espèce. Ouais. Et ça, c'est problématique. Et quand tes poissons ils sont ensemble depuis 10 ans, bah, c'est des petits papis, ils ont leur habitude. Hein. Faut pas casser les habitudes. Donc là, généralement, tu prends un grand miroir, tu le mets sur le côté contre la vitre latérale, tu vois tout de suite les poissons agressifs qui vont pas supporter, et tu introduis le nouveau, quoi. Ouais. Ça permet de détourner un peu l'attention. Mais il y a aussi le risque que si depuis 10 ans, t'as rien introduit dans ton bac, introduire un petit jeune, ça va vraiment tout déséquilibrer, si ce n'est qu'il peut être en plus porteur sain de quelque chose. T'as quand même un risque, hein, c'est non négligeable. Ouais. Mais t'as raison, hein, j'ai mon flave.
il veut, je peux pas mettre un poisson jaune. Voilà. Ah, s'il veut un poisson jaune, il tolère l'Okinawa, mais point quoi. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est avec depuis, tu sais. Oui, puis même, de toute façon, il est tellement petit qu'il se dit c'est bon. Tout, puis il était là avant lui en plus, donc. Ouais, donc il a rien. Ouais, t'as souvent des poissons comme ça hein, qui sont. Ouais. C'est rigolo quoi. Bon, ouais. Peut-être s'arrêter là parce que je sais pas quelle heure il est. Ouais, 22h, ça fait 2h. 10h. Ouais. Il y avait une question, le gemme l'atome. Le gemme l'atome, alors tout ça, tous des brasomas. Et donc en fait, quand il y en a, en gros, en général, hein, quand il y a un poisson, il y a un genre qui est fait, toutes les espèces qui sont derrière, elles peuvent plus ou moins être faites, quoi. Disons que on reste sur le même schéma d'élevage. Ouais, dès qu'ils vont trouver, après, c'est comme pour les chirurgiens. Ça va être fait. Ouais, ça va être fait derrière, quoi. Ouais, et après, dans les acanthuridés, on va avoir les ébrasomas, les nasidés, enfin les nasos, les prionurinés qui ne sont pas du tout importés parce qu'ils ont 3 scalpels à l'arrière et ils font genre un mètre de long. Ouais. Et les cténocaïtus, les acanthuridés, j'ai oublié lesquels, les acanthurus. Les cténocaïtus. Après, c'est des choses qui vont être intéressantes à voir. Maintenant, les ébrasomas en premier. Moi, j'aimerais bien les cténocaïtus aussi parce que c'est quand même des excellents brouteurs de pierres, d'algues et tout. Donc, ils entretiennent très, très bien les bacs. Ouais, c'est top, ça, ouais. Et puis, Acanthurus, visiblement, par Acanthurus qui a été fait. Alors ça, je ne sais pas quelle porte ça va ouvrir. Alain, t'en penses quoi par rapport aux autres Acanthurus? Vu que c'était l'un des plus demandés. Et puis, c'est surtout... Tu parles de l'hépatus, là? Ouais, l'hépatus. Ouais. Bah, c'est l'un des plus demandés et c'était l'un des plus pêchés. Heureusement qu'il a été élevé, quoi. Ça va faire du bien, quoi. Mais je veux dire, est-ce que tu penses que, du coup, ce sera applicable aussi facilement à tous les autres Acanthurus? Ah bah, à mon avis, le protocole reste à peu près le même pour tous les autres. Ouais, ça va être génial. Il va y avoir des petites différences, mais bon, c'est pas... Oui, de l'adaptation, mais je veux dire, c'est pas radicalement... Non, mais c'est super. Mais de toute façon, en peu de temps, j'ai l'impression que ça avance très vite, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu avais eu les... Oui. Comment ça s'appelle, les demoiselles, là, les... Promis Viridis, là, il n'y a pas longtemps, enfin... Et du coup, j'ai l'impression que ça commence là, d'un seul coup, que ça va de plus en plus vite, quoi, à arriver à... Ah bah c'est complètement le cas. Ça. C'est... En fait, la révolution récifale qu'on vit, autant on a vécu les LED, le passage de l'HQI au LED, on a toujours eu de l'habitude d'avoir des révolutions récifales qui soient orientées sur le matériel. Mais là, le matériel, bon, alors il y a bientôt les multi-tests qui vont tout tester comme des robots automatiquement, les cage keepers, etc. etc. Mais la vraie révolution, elle est dans l'élevage des poissons. En ce moment, c'est 100% ça, quoi. C'est là que ça bouge le plus, c'est là qu'il y a le plus d'échanges mondiaux. C'est un jour, on en parle de plus en plus et je vois qu'à chaque fois il y a des nouveaux qui arrivent, puis on en voit de plus en plus. Puis bon, surtout avec toi aussi, c'est vrai que tu as mis ça en avant avec la boutique où tu as mis où tu vends du centropige, du... Parce qu'avant c'était compliqué à trouver d'ailleurs. Oui, mais en fait ce qui se passait c'est que nous, ça fait 10 ans qu'on met en avant l'élevage de coraux. Ouais. Et on s'est dit c'est pas cohérent de mettre l'élevage de coraux alors qu'on est aussi passionné d'élevage de poissons parce qu'on soutenait déjà l'OTAN à l'époque. Après il y a eu un gros moment de mise à vide où il y avait plus rien. Ouais. Quand l'OTAN a disparu, il y avait plus rien, très peu de choses. Et là grâce au cœur du poisson et mer, c'est reparti quoi. Et on attendait que ça reparte. Pour l'Acromis viridis, c'est typiquement un problème de prix hein. Ouais. Oui. Parce que c'est pas si facile que ça à élever. Ouais, c'est des petites larves aussi, hein. C'est pas, ça ne s'élève pas comme un amphiprion. Ouais. Et puis alors là, par contre, on a encore la concurrence du sauvage. Hein. Ouais, parce que c'est des petits prix, ouais, c'est ça. Ah bah, de toute façon, une Chromis viridis, ça vaut quelques dollars. Bon, le fret aérien, fait que ça a augmenté, mais ça voyage dans peu d'eau. Donc en fait, le prix n'avait pas trop bougé. Donc avant, ça se trouvait à 7,20 €, c'était 8 euros. Maintenant, ça était autour de 13, 14, 15, ça dépend la taille. Si elle voyage dans un litre d'eau, bah déjà, elle coûte 8 euros ou 10 euros de transport. Mais je veux dire, le fait est qu'une d'élevage, ça coûte 6 fois, 7 fois, 8 fois ce prix-là, quoi. Ouais, mais toi, t'en vendais, là. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça s'est bien vendu ou t'as vu quand même que. On a des personnes, en effet, qui sont passionnées, qui veulent que de l'élevage et qui ont investi dedans. Et après, c'est sûr que. Tout est fait pour qu'elles aillent bien, etc. Mais si tu dois comparer les volumes, je dirais que les chromis viridis d'élevage représentent moins d'une chromis sur 10 000,
T'es gentil là. Ouais, ouais, là. En étant très sympa. C'est-à-dire que c'est ouais. peut-être une sur 100 000 plutôt. Ouais, ouais, facile, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Non, non, t'es sur un truc. Et c'est ces personnes-là qui les ont, on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'il y en aura plus. Ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'au début, c'est forcément plus cher que... C'est forcément plus cher. Puis attends, dans 10 ans, on en rigolera. Puis on va dire, t'as vu, ça vaut plus rien. Enfin, ouais. Quand ouais, tout sera ça. Maîtrisé, quand tout sera, ça vaudra toujours quelque chose, hein, parce que c'est toujours ça. Mais ils changent quand même. Tu vois que les gens vont sur l'élevage. Moi, je vois sur le groupe, tout. Oui, bien sûr. Et pareil, c'est génial. Compris même, tu sais, au niveau, comme on parlait tout à l'heure, des saint chiropus ou du le pigot, tout ça. Ouais. Que là, au moins, tu sais qu'il va pas mourir de faim. Tu vas l'avoir, tu vas pouvoir le nourrir. Exactement. Donc, voilà, c'est déjà un grand pas en avant pour le maintenir dans ton bac. Ah bah oui, non mais c'est génial, c'est voilà. génial. Mais après sur une chromiste, tu vas pas avoir les mêmes avantages. Ça. Parce ouais. que une chromiste viridiste, en réalité, t'as vraiment que l'avantage qu'elle a pas été prélevée dans le milieu naturel. C'est ça, ouais. L'élevage, il va t'amener ça comme avantage. Pour le reste, pour moi, ça change pas des masses. C'est une chromiste viridiste, c'est pas un poisson qui va être avec un comportement spécifique ouais, dû à. Un centre-piche qui sera plus curieux, comme tu disais, un centre-piche. Ah bah, le centre-piche de chez Mer, c'est de la ouais. magie. Tu les reçois, tu vas devant la vitre, il te regarde un peu de loin, il s'approche de ça, il te regarde, il recule, il vient. Du coup, non mais c'est magique parce que moi tu sais, je suis pas poisson à la base, je suis vraiment ouais, gros et invertébré et tout ça. Et en fait, j'ai compris que j'étais pas poisson parce que j'étais pas poisson sauvage. Ouais. Parce qu'en vrai, les poissons sauvages, le fait d'arriver puis qu'ils aient peur puis qu'ils se cachent, bah moi, je suis pas content, tu vois, je suis pas heureux. Et le fait d'avoir des poissons alors forcément, hein, ils vont toujours avoir un petit coup de stress, un petit coup de truc. Mais là sur ces poissons-là, alors je suis à 30 cm de la vitre. Et là, il vient, il repart, il vient, il repart. Mais je veux dire, c'est pas non plus des enfin, je sais pas si tu t'imagines. C'est ouais. pas des groupes heureux. Je suis à côté. Donc, ouais. ils vont venir s'approcher, reculer, s'approcher. Puis, tu viens les nourrir, machin. En fait, t'as l'impression qu'ils interagissent avec toi. Alors que le milieu sauvage, les poissons pêchés, ils n'interagissent pas avec toi, ils ont peur de toi. Et à mon sens, c'est deux comportements très différents. Et moi, j'aime pas que les poissons aient peur de moi, ça me saoule. Par contre, qu'ils interagissent avec moi, je trouve ça marrant. Et ouais. du coup, je redeviens poisson et passe à l'élevage. Réellement, c'est ça. Quand une fois, tu vois des fois les mecs qui mettent avec les mains dans les bacs, essayent de nourrir le poisson, tu sais, à la main, tu sais, on a vu ça, bah, surtout avec les duodons, mais même il y en a qui arrivent avec des hépatus, ou tu essayes. Avec le temps, de toute façon, nous on les voit, enfin, ils restent pas hyper longtemps les poissons, tu vois ce que je veux dire, à part dans les tables. Mais avec le temps, oui, bien sûr, chez toi, tu vas réussir à les nourrir avec des bananes, avec ce que tu veux, tu vas vraiment avoir de l'interaction avec tes poissons, hein, ça c'est super. Mais nous, on n'a pas le temps d'avoir ça. On a ça avec l'élevage. Ouais, c'est ça. Avec l'élevage, on a de l'interaction, tu peux jouer avec eux, tu peux faire plein de trucs parce qu'ils te suivent. Tu prends les poissons clowns, voilà, c'est encore un autre niveau. S'il peut sortir de l'eau pour venir dans ta main, il vient. Et du coup, c'est génial. Et tu prends ça en sauvage, bah non. Il a peur de toi, quoi. Ouais, c'est... Non, c'est vrai que c'est top. Hein. L'avenir du poisson d'élevage, il faut que ça continue comme ça et que les gens... De toute façon, puis à un moment, ils n'auront plus le choix non plus, quoi. Non, c'est ça. Hein. Il faut bien en être conscient. Ouais. Et il y a quand même la loi d'Ombreval qui est sortie, hein. Je rappelle, elle a été votée. Ouais. Pour l'instant, on peut en faire encore ce qu'on veut, mais parce que la dispositive n'est pas sortie, elle n'a pas été décidée, mais ça reste une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Hein. Ouais. Au-dessus de la tête plutôt des importateurs que des éleveurs. Ouais. Oui. Ouais. Enfin bon, s'ils nous interdisent certaines espèces, ça sera interdit. Quoi. Bah, après, il faudra les avoir rentrées avant l'interdiction. Alors il y a quand même beaucoup d'espèces en aquarium public. Moi je pense que tu pourras les rentrer d'élevage, il y aura toujours une loi mondiale ou un truc qui fait que. Après on verra, hein. Peut-être tu as raison, peut-être ce sera le pire des cas, on verra. Mais moi je reste quand même assez confiant, mais c'est sûr que quoi qu'il arrive, en tout cas en sauvage c'est fini quoi. Ouais. Bah, de toute façon, vous avez pris le bon virage, même avec l'aquaculture il y a des années, et puis après, même les poissons d'élevage, c'est vrai que ça peut être compliqué s'ils arrêtent tout du jour au lendemain. Sur les poissons, les machins, il y en a qui vont avoir des problèmes. Toi, c'est vrai que tu as ta culture d'aquaro, donc mais les boutiques. Bah, nous, quand l'Indonésie a fermé, on est arrivé, on s'est dit c'est une catastrophe. Ouais, bah, normal. Ouais. On est arrivé le matin, on s'est dit c'est une catastrophe. Et en fait, on a eu deux fois plus de commandes tout le temps. Ouais. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais nous, on vendait des boutures comme ça de Potilopora.
Ok, on les vendait 29 euros. Et à l'époque, à 29 euros, tu avais ça, tu vois. En sauvage, ou en, tu vois, c'était vraiment des comme la main, quoi. Ouais, et on nous disait, ouais, c'est trop petit, machin, machin. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les touches sont plus, poussent plus vite, etc. Il y a plein d'intérêts. Mais la réalité, c'est quand ça s'est arrêté tout ça et quand ça a redémarré, en plus, avec, après, il y a eu les frais aériens qui ont explosé. Donc, du coup, les grosses pièces, les Indonésiens se sont mis à travailler plus petit aussi. Il y a eu plein de multifacteurs qui font que l'aquaculture en France est devenue compétitive. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvé sur des tailles ou sur des choses où c'est que, bah, clairement, il y a des avantages. Et là, ça a commencé à fonctionner. Mais peut-être que demain, l'interdiction complète de, d'importation de toute espèce sauvage sera positive pour les éleveurs. C'est possible. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, ça va détruire les trois quarts du marché. Ouais. Parce que la réalité, c'est que les éleveurs sont pas du tout capables d'assumer un marché entier. Et ça, c'est sûr. Donc, c'est bien si tout de suite, il y a des investissements qui sont mis en place dans l'élevage récifal, ça va être bien. Il est le cas, mais par trop peu d'acteurs, je pense. Mais c'est déjà fait. Au moins, il y a une sécurité. Il y a la sécurité d'avoir le minimum pour les gens qui sont vraiment passionnés et tout. Ça, ça continuera. Mais par contre, pour le reste, c'est vrai que tout ce qui est le gros entre guillemets, il n'y aura plus quoi. Si ça passe maintenant, ça disparaît. Mais moi, j'ai vu tes boutures, elles sont de plus en plus grosses. Bah nous, c'est parce que du coup, forcément, avec le temps, on a des boutures qui sont de plus en plus grosses. Ouais, là, ça commence à. Ouais, parce qu'avant, on voyait pas le plot, enfin, on voyait le plot. Oui. T'as dit. Après, ça commence à arriver. Maintenant, ça dépasse du plot. Ouais, c'est logique. Mais c'est toujours comme ça dans un système d'aquaculture. Tu commences à 10 pieds. Tu vas les produire, tu vas en vendre 8, tu vas en garder 2, tu les fais grossir, tu revends 8, etc. Puis petit à petit, tu te retrouves avec 10, 12, 14, 16, 18 pieds, parce que tu en as gardé un à chaque fois. Ouais. Et au bout d'un moment, tu peux les garder un peu plus longtemps, et quand tu vas les vendre, ils sont plus gros. Donc c'est toujours dans la même logique. Mais même pour les poissons, j'ai l'impression que tous les poissons sont plus gros aussi, d'une manière générale. Ouais. Ceux qui sortent d'élevage, hein, je parle. De ce que je reçois et de ce qu'on voit, ouais, ça a pris une taille aussi. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est quand tu vois même les pectinias, l'espèce de vendeur, là, qui en avait dit. Ah ouais. En plus, ils ont grossi et tu les vends moins cher. Il faut éclairer. Ouais. Bah oui, mais là, on en a 80 en stock et c'est vrai qu'on est sur. Ouais. Mais c'est le principe de l'aquaculture, la gestion du cheptel. Ouais. Et toi, t'avais une souche là au début. Là, t'en avais une. Là, il y a trois ans, à l'inauguration, j'en avais une bouture. Ouais, c'est. On l'avait coupé en deux et on l'avait fait gagner. Ouais. D'ailleurs, c'est Axel qui l'avait gagné. Ouais, exact, quoi. C'était un truc de dingue, quoi. Ouais. Et après, de 2, 4, etc., on a toujours gardé une bouture à chaque fois qu'on coupait pour ajouter un autre cheptel. Et après, bon, c'est une gestion d'aquaculteur sur les coraux, hein. Mais clairement, ouais, tu te retrouves maintenant, on a une capacité de production qui est vraiment balèze. Qui est la plus grosse, sur le Space Invader, c'est la plus grosse capacité de production d'Europe, une des plus grosses. Ouais, c'est un truc de dingue, ouais. Mais c'est vrai que même, je vois les autres, tu sais, les équinos, tout. Là, toi, j'ai eu le dernier, là, que j'avais commandé la semaine dernière, là, j'ai reçu hier avant-hier. Et quand je te disais, toi, avec le plot, là, maintenant, ça passe bien. Puis j'ai vu sur plein d'autres coraux que j'ai pris. Bah, regarde, c'est le cas, le Big Air Walt Disney, la corporale qui va arriver. On est en train de faire la même chose. Dans pas longtemps, on va être capable de baisser le prix et puis d'alimenter beaucoup de gens. Bon, là, il y a encore un peu de chemin, hein, c'est pas tout de suite. Ouais, mais les Rainbow Crush, par exemple, les Chalice, les derniers étaient à Corallowin, c'était au mois d'octobre. Donc, tu vois, ça commence à faire. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, derrière, on multiplie nos pieds mères et on a de plus en plus. Et le but, c'est quoi? C'est d'arriver à des tailles plus grosses avec des prix moins chers, quoi. Ouais. Et on y arrive qu'en multipliant ça, quoi. Ouais. C'est vrai que du coup, c'est plus gros et en plus, tu baisses les prix. Donc, c'est vrai que c'était le plus frappant, c'est sur le Space Invader, quoi. C'est sûr. Que, ouais. Ah, bah oui. Tout à fait. Mais même sur les Anacropora, hein, les TNT, etc., etc., tout est plus gros, tout d'une manière générale. Ouais. Ouais, et les Acropora arrivent aussi en force. On va avoir de plus en plus là. Il y a vraiment des souches. C'est juste que on se dit, on va attendre encore un peu, avoir plus de pieds mères, de manière à descendre le prix et être plus cohérent, quoi. Ouais, bah c'est sympa, c'est cool, quoi. Bon, bah. Et toi, Alain, juste une dernière question, Alain. Tu penses qu'ils vont faire un peu le système qu'ils avaient annoncé au départ, si pour les applications de cette loi, où il y a que les éleveurs qui pourront revendre? Je ne sais pas comment ça va se passer. Déjà, est-ce que ça va être une liste positive ou une liste négative? Est-ce qu'ils vont donner une liste avec les espèces qu'on n'aura pas le droit d'importer ou est-ce que ça va être une liste avec les espèces qu'on aura le droit d'importer? Là, moi, je trouve que c'est pas très clair. Là. Mais bon, je suis pas au fait de tout ce qui se dit, mais c'est un peu... De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de dispositif de déposer. Non, on reste sur les arrêtés précédents et puis... Voilà. Mais voilà, dès que la liste sort, elle est appliquée. Ouais. Ça, c'est le souci.
Ouais, t'as raison, Bon, ça parlait pas des invertébrés marins, je crois pas qu'il y avait une. Pour l'instant, non. Ouais, il n'y avait pas. Ça concerne... Non, mais genre, là, ça va venir avec l'Europe qui va interdire l'importation de faune sauvage. Bah, alors, c'est pareil aussi, la notion de faune sauvage captive. Qu'est-ce qu'un animal sauvage captif? Bon. C'est quoi la définition? Ah, ça fait. Bah, en fait, la définition est super simple. La définition d'un animal sauvage captif, c'est un animal qui n'appartient pas à la liste des espèces domestiques et de basse-cour, en gros. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que ça ne veut absolument pas dire qu'il a été capturé en milieu naturel. On va prendre un exemple très simple, très tout con en eau douce. Le guppy, c'est une espèce domestique. Ouais. Le xypho, c'est une espèce sauvage captive. Alors que c'est au niveau sélection, hybridation et tout ce qu'on veut, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir revoir un peu ces listes aussi, et puis surtout faire la différenciation entre une véritable espèce sauvage capturée en milieu naturel d'une espèce issue d'élevage. Ouais. Oui, obligatoirement. À partir du moment où c'est élevé, tu peux pas mettre une interdiction la même en disant. Surtout que l'interdiction, elle vient à la base. Bon, il y a deux choses. Il y a pour le milieu naturel, puis il y a aussi pour les capacités de maintenance. Oui, pour le bien-être animal. Ouais. Mais après, quand il est issu d'élevage, le bien-être, je veux dire, les poissons issus d'élevage en aquarium, ils sont bien. Oui. Ah, mais ça, c'est vrai qu'on ne sait pas où ça va aller. C'est vrai qu'on n'entend plus trop parler là pour l'instant. Non, mais c'est bien le problème, on n'en entend pas parler. Et moi, je reproche au syndicat, ProDAF et je ne sais plus lequel, comment il s'appelle, l'OFRA. C'est ça ? Ouais, l'OFRA. Les grossistes. Franchement, ils ne sont pas bougés, quoi. Ouais. Ça n'a pas. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Et en fait, personne n'y a cru. Ouais. Ouais, ça passera pas. Bah, c'est passé. C'est je reviens à la fermeture de l'Indonésie sur les coraux, on n'y croyait pas non plus. Ouais. Personne dit non, ils disent. Bah, après, il faut prendre en compte que pour l'Indonésie ou autre, quand tu viens avoir, tu as le commerce de l'hôtellerie, le tourisme, etc., etc., c'est des marchés qui pèsent des milliards de milliards, et tu as l'aquariophilie, quoi. Ouais. Et du coup. Pour eux, ils s'en fichent pas mal, quoi. Alors, c'est important parce qu'ils ont rouvert et tout. Ils ont mis 2 ans et puis ils ont tapé le poing sur la table parce qu'il y en a qui faisaient n'importe quoi et il y en a qui bossaient super bien. Mais le fait est que on reste dans un marché de niche, quoi. Donc, on n'est pas les personnes qui vont mettre en priorité et on n'est pas les personnes qui vont essayer d'aider à tout prix, quoi. Ouais. Tu sais, même là, hein, sur l'aquariophilie, l'eau douce est 95 fois plus forte que l'eau de mer, hein, en France. Ouais. Ah ouais, bah tu vois, de toute façon, quand tu vois les animaleries, t'as compris. Sauf que l'eau douce, c'est quasiment que d'élevage. C'est en pays européen. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'en fait. On peut avoir 100% d'élevage en pays européen avec l'eau douce. Voilà. Quasiment, ouais. Ouais. Bah oui, tu vois. Donc, on est quand même sur un truc. Moi, je trouve que. Voilà, on est sur des notions. Sur des notions qui concernent l'eau de mer, qui est un truc de niche et tout, j'ai peur que ce soit pas aussi évident que ça. Mais les éleveurs, j'espère qu'ils pourront quand même rester. C'est ce qui compte. Ouais. Bah oui, c'est ce que là, si dans un an, t'as ça qui tombe, faut que les éleveurs ils puissent bosser, quoi. Bah ouais, c'est clair, ouais, c'est sûr. Ouais, après, on a du mal à y croire qu'ils couperaient tout, même pour les éleveurs, quoi. Je vois pas pourquoi. Ouais, alors là, on parle de 2 éleveurs en France. Ouais. Clairement, ils viennent à fermer, ils disent bah nous on avait payé 200 000 et 500 000 d'investissement. Nous on dit ok, donc 200 000, 500 000 dédommagement fini. Voilà. Puis il se passe quoi? C'est l'industrie qui meurt, tu vois, c'est tout le truc. Mais je veux dire, après tu peux être dédommagé, hein, mais je pense pas qu'ils aient trop d'intérêt. Enfin, ils ont pas d'état d'âme, je pense pas qu'ils aient trop d'état d'âme. Ouais. Qu'il y ait 2 éleveurs qui s'arrêtent. Ouais, c'est sûr. Ouais. On parle pas de 5 000 d'employés, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, ouais. Après, je sais pas. Par contre, dans le milieu de l'animalerie, en grande surface, c'est clair et net que là, on parle de 5000 employés. Donc là, il y a quand même des gros groupes qui sont montés au créneau, qui étaient montés d'ailleurs. Je crois que c'était Fresh Snaps avec Max Iso. Ouais. Quand il y avait Eustelis. Il y a des gros groupes botaniques aussi, il me semble. De mémoire, il y avait des gros groupes qui étaient montés en disant, mais vous vous rendez pas compte de la facture que vous allez payer, là.
Ce qui fait peur avec les gros groupes comme ça, c'est que donc au niveau des animaleries, et donc, notamment les animaliers, il y en a beaucoup qui n'ont que le 5-7. Donc fait, ils font le 20-80. Exactement, c'est que du 20-80 et c'est tout. Et donc pour ces grands groupes, hormis le 20-80, le restant, ça les intéresse pas forcément, quoi. Non. C'est sûr. Donc c'est là où nous on a notre rôle à jouer et d'avoir une liste qui soit quand même qui soit conséquente, quoi. Ah bah oui, puis après, il y a une incohérence aussi, c'est-à-dire que les certificats de capacité qui sont délivrés aux vendeurs, comme nous, 5 et 7, pour ceux qui ne savent pas, c'est des certificats de capacité, mais délivrés quasi automatiquement avec des bacs pro animalerie ou des choses comme ça, qui sont des listes plutôt très très courtes. Il n'y a pas grand-chose dedans. C'est une liste à 30, ouais. Voilà, alors que nous, quand on a passé notre certificat de capacité, donc avec une commission devant le sous-préfet, etc., etc., on a des listes de ce qu'on est capable de maintenir. Maintenant, maintenir et vendre. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est assez… voilà, moi, j'ai une liste de ce que j'ai le droit de produire, vendre, acheter, etc., qui est spécialisée pour moi. Hein, j'ai dû dire tout ce que j'étais capable de faire et ils ont vérifié. Mais si demain on me dit bah t'as plus le droit à cette liste, ça veut dire que clairement que c'est pas une question de compétence. Ça veut dire que c'est juste une question de bien-être animal. Mais franchement, je sais pas s'ils vont faire des états d'âme. Peut-être qu'ils en auront rien à foutre. Ils vont dire allez c'est bon, on le fait. Ouais. Moi, j'ai jamais espéré quand même qu'ils nous laissent un peu maître de quelque chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais, bah voilà, attendez, on a quand même des gens compétents. Il faut leur faire confiance, quoi. Ouais. Bon, on verra. On verra bien. On n'en est pas là, mais bon, faut espérer que. Réponds juste à Frédéric là qui posait la question sur les murènes. Ouais. L'élevage des murènes. Alors les murènes, c'est des larves leptocéphales, peut-être très longues, hein, mais c'est énorme. Hein. Une murène à la naissance, ça fait quoi? Ça fait presque 2 cm. Hein. Ah, c'est énorme. Ouais. À 4 jours, ça a 4 dents. Deux en haut, deux en bas, mais qui dépasse, hein, je vous promets. Hein. C'était la première fois que j'en ai vu, c'était avec celle du Cap d'Agde, les zébrés là. Gymnothorax, non, le. Non, c'était pas une gymnothorax, c'est. C'était pas une rhino-murna, non, je sais plus comment. Bon, enfin, donc il y a 4 jours, 4 dents. Voilà. Ouais. Mais donc là, ça, c'est sûr, ça mange pas du rotifère, ça mange pas de l'artémia, ça mange beaucoup plus gros. Mais quoi? À mon avis, ces 4 dents, elles lui servent à quelque chose. Hein. Ah bah... Peut-être, si ça se trouve, elle chasse pas, peut-être elle prend au passage, comment ça s'appelle, des granulés. Opportunistes suspensivores. Voilà, des trucs en suspension, ça peut être des salpes, des micros, des salpes, donc tout ce qui est tunicier, mais tunicier pélagique, ça peut être des trucs comme ça, hein. On peut imaginer beaucoup de choses. Ouais. Mais bon, pour l'instant, si les Japonais font un peu d'anguilles, parce que c'est pareil, hein, c'est des larves leptocéphales, mais les larves leptocéphales, c'est compliqué. Hein. Oui, et puis comme il n'y a pas un énorme marché derrière, ça va être compliqué d'avoir ces espèces. Si tu te retrouves avec 10 000 murènes, alors là, tu as la production pour 10 ans. Oui, et puis c'est vraiment embêté, hein, parce que... Ouais, c'est infaisable. Enfin, je ne saurais pas quoi en faire. Ouais. Bah, c'était les Cryptocentrus sanctus, hein. Une ponte, 1100 individus par ponte sortie, hein, de larvaire et épée. Hein. Donc là, tu fais une ponte par an, quoi. Voilà. Une ponte, une promo. Oui. À 1100 larves, ouais, non, mais... Ouais. Mais c'est même pas 1100 larves, c'est 1100 poissons sortis. Hein. Ah alors, oui. Métamorphosés, oui. Ah non, mais pas 1100 larves. Hein. Productif, le poisson. Productif, hein. Ouais. Ouais. Bon, bah. Je vais peut-être vous libérer. Hein. Ça fait 2h13. Allez. C'était un bon live. Ouais, bah, c'était sympa. C'était très sympathique. C'était sympa. Ouais. J'ai trouvé ça super sympa. Le seul maître mot, c'est essayer. On regardera ça. Ouais, essayer. Il faut. Vos poissons, s'ils sont en coupe tous les soirs, ils pondent. Ouais. Il faut regarder quand la lumière s'éteint. Il y a ça aussi. Ouais, n'hésitez pas à mettre des couples, à mettre des groupes. Ouais, les poissons ne vivent pas seuls. Ouais, pas tout seul. C'est vrai qu'on a tendance à regarder à la pleine lune. Il y a certaines espèces où quand même ça joue.
Ouais. Et vous allez voir des pontes. Les 5 Europus, ça ponte tous les jours. Les centropistes, ça ponte tous les jours. Quasiment. Les chirurgiens, ça ponte tous les jours. Ah ouais. Bon, après, il faut un peu de hauteur d'eau, mais. Ouais, ouais. Ah, ça pond, hein. Ah ouais. Ma preuve, il faut se lever la nuit pour récupérer les larves. Ah, il faut avoir. Ou faut monter les P-systèmes pour récupérer les œufs. Ouais. Ah ouais, ouais, sinon, ouais, les chaussettes de, comment ça s'appelle, bah, tous ceux les qui micro-bags, ont un, ouais, en nylon. Voilà, qui ont un micro-bag, bah, moi, je les invite à regarder dans leur micro-bag. Hein. Ouais. L'idéal, c'est de mettre le nylon, ouais. Ah bah oui, bah c'est sûr, hein. Si vous nourrissez bien, vous nourrissez assez fort avec beaucoup de vitamines, des acides aminés, voilà, que la bouffe est bonne, vous aurez normalement des beaux œufs, quoi. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, hein, faut bien nourrir les géniteurs. Ah, faut bien nourrir les géniteurs, ouais. Ouais. Bon, nous, on utilise un pâton qui était un peu riche, voilà, pour balancer dans un bac récifal. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ouais, ouais. Ça profite aux coraux aussi. Ouais, ça peut profiter aux coraux, ouais. Un tiers de tête. Hein. Ouais. Sinon, après, bon, t'as les phosphates, t'as les azotes qui montent. Bon. Ouais, c'est des pour des bacs, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, bah allez, là-dessus, je vous libère. Je vous remercie. Ben, écoute, super sympa, Alain. Avec plaisir. Boris, c'était un grand plaisir. Super, ouais. Cool. Merci du temps que vous avez passé à venir et à passer un moment avec nous après votre journée de boulot, quoi. C'est super sympa pour le partage et puis on a pu apprendre plein de choses, quoi. Bah écoute, avec plaisir. Moi, ouais, c'était avec plaisir. Et puis après, bah, tu viendras sur place, hein, si tu veux filmer. Ah, c'est clair, hein. C'est sûr que... Ouais, qu'est-ce que j'aimerais habiter à côté de ta boutique, mais je y serais tous les jours, quoi. En fait, tu pourrais plus me voir. Après, les gens qui sont là tous les jours, généralement, ils sont employés. Hein. Ils travaillent là. Hein. Mais oui, avec plaisir, si tu passes. C'est sûr. À l'occasion, voilà, puis, avec des copains de la région parisienne, là, je fais un voyage pour emmener du monde en même temps. Quoi. Bah, écoute, avec plaisir, vous serez bienvenus, vous serez bien reçus. Ouais, bah, je serai bien à chaque fois, et tu es bien reçu, quoi. Un petit 500 km plus bas, bah, y a au cœur du poisson, il y a mer, il y a du monde. Exactement. Alors là, on te fait 5 heures et on repart direction Montpellier. Tiens, c'est avec plaisir. Après, je te montre les coins où tu peux pêcher les copépodes. Les... Voilà. On se fait une pêche aux copépodes dans les étangs. Ouais, On fait une nuit à Saint-Pargoire, bon. Ça va être cool. Bon, moi, je me suis fait choper deux fois par les... ils veulent plus trop qu'on pêche maintenant. Donc, C'est à cause d'Alain, ils ont inventé la loi du dé. Et ils ont dit, la loi du dé, elle prend le dessus, vous n'avez plus le droit. Non, il y a certains endroits où ils sont en Natura 2000 et puis en... Mais Natura 2000. Mais normalement, moi j'allais derrière l'entreprise Listel, tu sais, où c'est qu'ils font le pétillant de Listel entre Sète et Marseillan. Oui, bah c'est là. faut plus y aller, hein, n'allez pas là. Une fois par la rurale, une fois par la rurale et une fois par les gardes. Bon, alors c'est plus là qu'il faut aller. Non, mais il y a plein d'autres canaux. Il y a plein d'autres canaux. Ouais. Bah oui, de toute façon, c'est grand. Et hein. Puis même de toute façon, même si c'est un Natura 2000, il n'y a pas d'interdiction vraie de pêche dans le canal, quoi, dans les canalets. Ouais, une petite épuisette, avec un petit saut, ils te regardent, ils disent, bon, voilà le passionné, tu vois, qui vient capturer des petits trucs, ils te prennent un peu pour un gars bizarre, puis après ils te laissent tomber. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, attends, on se balade avec une épuisette, un petit saut, tu sais, des grands enfants, tu vois. Mais c'est vrai. Mais bon. Ouais. Bah écoutez. Voilà. Bon, bah, allez, je te laisse. Bon, ça marche. À bientôt. Merci à vous. Ouais. Plein de bonnes choses. Ouais, bah c'est cool. Et puis à bientôt sur un prochain live. Puis tiens, on se fera peut-être ça. On se verra pour Boris, peut-être en Floride. Ah oui. Ah oui. Ça serait sympa, ça. Top, ouais. Ouais. Là, écoute, avec plaisir. On va prendre les 6 heures de décalage en compte. C'est ça. Si tu arrives à faire Aura, parce que moi, Aura, ils ont juste ouvert la porte en me disant ici, c'est les géniteurs. Et quand j'ai passé la tête, ils ont fermé la porte. Ok. Donc, j'ai jamais visité Aura alors que j'étais chez eux et qu'on discutait des animaux qu'on allait pouvoir exporter. Donc, tu vois. Alors que si, j'ai tout visité. Bah, écoute, normalement, c'est prévu. Après, j'ai pas de carte d'entrée. Autant il y a des endroits, je suis sûr d'y aller parce que j'ai des rendez-vous avec les boss et tout. Mais Aura, j'ai pas de rendez-vous. Donc, on essaye, là, on creuse. Si vous avez un contact chez Aura, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Ouais. On va faire ça.
Ah, ce serait cool. Hein. Bah écoute, on espère. Ouais, ça serait cool, ouais. J'aimerais bien voir le hangar. Parce que j'ai pas pu le voir. On va aller voir. Non, mais en plus, Laura, ils ont des oventures et tout, donc moi, ça m'intéresse aussi, quoi. Ouais. Donc, on va voir. On va essayer d'y aller. Sur ta story Instagram, quoi. Ouais, ouais, puis après, t'inquiète, dès qu'on est là-bas, tu m'appelles, on essaie de se faire des choses. Ouais, bah c'est cool, merci, Boris. C'est super. Bah, avec sympa. Plaisir. Avec plaisir. Bon, ciao, allez. Bah, à bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Salut à tous. Bye, et salut. À bientôt. Ouais. Ciao, ciao. Bon, bah, allez. Salut Alain, et puis encore merci à toi aussi hein, pour tout, puis le temps passé. Hein, c'était super intéressant, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'était intéressant, ouais. Mais c'est sympa, hein, tous ces trucs-là. Moi, je suis partant pour tout. Dès qu'on peut promouvoir l'élevage, l'aquaculture, de toute façon, là, maintenant, il faut y aller. Il faut y aller à fond. Ah, bah, c'est super sympa. C'est vrai que les gens, ça leur permet d'avoir un son de cloche. En plus, toi, bah, tu n'as rien à vendre. C'est juste vraiment pour le partage et discuter, pour aider les gens. Et c'est vraiment sympa, quoi. Et c'est ça qui est cool, quoi. Ouais, bah, ouais, mais il faut. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, bah, Boris, pareil, c'est un passionné. Tu vois, que moi, quand je parle avec lui en off ou au téléphone, je passe des heures au téléphone. Tu vois, qu'il est à fond passionné, quoi. Hein, tu vois, c'est le côté sympa, quoi. Ouais, écoute, bon, bah, moi, je suis partant pour tous les lives que vous voulez à partir du moment hein, où... D'accord, au bout d'un moment, ça va porter ses fruits. Hein. Bah ouais, c'est ça, à fond. De toute façon, je te reconnais qu'on se refait ça, et puis voilà, quoi. Bon, bah, ok. Je te souhaite une bonne soirée, je te dis encore merci, puis je te dis à bientôt, Alain. À bientôt. Ciao, allez, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, ciao, Alain. Ciao, ciao. Bon, bah ça y est, c'est fini pour ce petit live. Je remercie à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Je vais l'enregistrer sur YouTube. Je vous le mets sur YouTube dans la semaine. Comme ça, pour ceux-là qui vont revoir en replay. Et puis, jeudi prochain, on a un autre live avec Claude Hugues qui est parti travailler chez Sitché. Donc, il va nous dire ses projets et puis toutes les nouveautés qu'il va avoir et ce qu'il va faire. Et puis, vous pourrez lui poser plein de questions. Donc, jeudi prochain, je crois à 20h30 ou 20h45, hein, j'ai mis le lien, j'ai mis l'événement. Donc, vous pouvez voir sur le groupe. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!